Faites du bruit pour The Studio. Ça, c'est une intro dynamique, tu vois. Là, tu vois, mon cœur, il y a de la patate. C'est une très bonne idée que tu as eue. Magnifique. Bonsoir tout le monde. Vous avez vu cette intro là? Vous avez vu la patate que ça met là? C'est moi qui a tout créé. C'est ouais, c'est mon chef, mon comment on dit là, mon chauffeur de salle, Mini Tipeee. Elle a eu l'idée, elle a dit non, on va faire un truc. Grande pompe. Ah non, Las Vegas. Ah ouais, hein. Vous avez vu là le. Là, comme ça on voit là. Ah, Johnny Hallyday à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Rien à voir. Là, on est sur du gros spectacle. Hein. Ah mais je sais, c'est impressionnant. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Et vos dons, ils servent pas à rien. Hein. On investit dans le matos, hein, la technique, tout ça, quoi. Attendez, faut rigoler ou quoi? Bon, comment vous allez bien là? Bonne année, t'as raison, Fabien. Alors. Bon, il n'y a pas compris. Bonsoir. Pierre Guélis, bonsoir. Mathieu Véret de retour. Bonsoir. En meilleure forme, j'espère. T3, T4. C'est un nouveau set T3, T4. Hein? Non, pas nouveau. Non, j'avais déjà vu ça. Mais il passe pas souvent. T3, T4, il passe pas souvent. Il est là, mon cœur. Faut que tu vérifies s'il vient assez régulièrement, T3, T4. Parce que sinon, tu enlèves sa carte de membre gold. Hein. Jérôme Calbeau. Bonsoir, l'heure est bien, et bien, et oui, voilà, Pierre Guéli, j'ai dit, Paris Tazi, bonsoir, Thierry Var, bonsoir, David Denis, Jérôme, Morgane, il y a quelques nouveaux là peut-être, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Mathieu Véret, oh, dis donc, Mathieu Véret, qu'est-ce qu'il écrit, Mathieu Véret? Mais Mathieu Véret, mais t'as quatre mains, c'est pas possible. Laisse un peu de place pour les autres dans le chat, les pauvres, ils ont même plus de la place d'écrire. Allez, il a rempli tout le cahier, Mathieu. Ah, bravo, Mathieu. Bonsoir, et bonsoir, Cléouline, et merci. Gros type de clé wheeling, 10 euros avant l'émission, dis donc. Ouais, le mec, il est tellement sûr que ça va être bien, il a dit non, mais moi, je balance de suite, moi. Mais attendez, monsieur clé wheeling, là, vous avez pas vu le spectacle? Non, moi, je paye de suite, je sais que ça va être bien. Ça, c'est du soutien, ça. Qu'est-ce que vous voulez, ça touche au cœur, ça. Voilà, hein. Ils ont pas besoin de voir, ils font confiance. Ils savent qu'ils vont s'amuser. Ou pas, enfin, voilà, ils savent que c'est là, en tout cas. Ouais, mais c'est bien. Voilà, bonsoir Stéphane. Bonsoir Patrick Marin. Et puis, et bonsoir, Dame Tipeee. Bonsoir, Dame Tipeee. Suis à la vaisselle. Bah, voilà, bah, j'espère bien. Elle va pas se faire toute seule quand même. L'autre, la vaisselle. Bah oui, alors. Hein? La chaîne du wokisme. Hein? La chaîne des Ewoks. Je rigole. Bah, ouais, mais on aime tout le monde. Tout le monde est à égalité. Hein? Bon, plus ou moins. Voilà. Voilà. Bonsoir et bonsoir Sirgal. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, les copains. Que vous avez passé. Et je vais vous mettre un peu de musique quand même. Hein. Attendez. Oh. La même. Hein. Pff, vous savez, on va pas en réinventer le tiède. Hein. Petite musique de fond. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez fort, tout ça qui va bien. Hein. Moi, je vais la baisser un peu. Hein. Parce que vous l'entendez, mais moi, j'ai pas besoin de me la taper. La musique, c'est bon. Hein. Ça va, je la connais. Hein. Voilà, quoi, Clé Willine? Oui, Clé Willine est un homme, parfaitement, Clé Willine. Je sais que tout le monde. Ben non, Clé Willine, on pourrait croire que c'est un nom d'elfe, un nom de danseuse du crazy, de. Voilà, pas du tout. C'est un homme. Rien à voir. Un homme très charpenté, hein, Clé Willine. 130 kilos de muscles. Ouais, on l'appelle l'ours des Carpates. Hein. Ouais, il est capable de soulever. Deux voitures hein, avec ses oreilles. Et je vous dis pas ce qu'ils peuvent faire avec ses bras. Oh, impressionnant, Cléway. Impressionnant. Une montagne. Voilà. Bravo, Cléway. Je confirme. Voilà. Vous voyez? Donc, et bonsoir. Et bien, bonsoir. Je crois qu'on a dit bonsoir à tout le monde. Bon, et bien, les copains. Qu'est-ce que. Déjà, j'espère que vous avez passé hein, de bons jours de semaine avant ce jeudi. Demain. Vendredi, donc autant dire que c'est quasiment bouclé, c'est la fin de semaine. Et puis après, bah, les vacances, pour ceux qui en profiteront un peu, enfin les vacances des enfants. Hein. Donc c'est pas tout à fait les vacances des grands, il faut les garder, tout ça. Bon. Ah, il y en a d'autres qui sont en vacances? Ah, il y en a qui sont en vacances là, dans le chat. Ah, c'est la troisième zone, d'accord. Mais quelle bande de branlots, vous en faites pas une quoi. Hein? Et vous êtes fiers de vous là, hein? Ah ouais, vous croyez, pourquoi la France va mal? Mais c'est à cause de vous. Bon,
Bon, tant pis, maintenant vous êtes là, restez. Alors, on a une grosse communauté de Belges. Ça tombe bien, j'aime les frites. Ça se voit que j'aime les frites. Pourquoi? Ah, elle n'ose pas répondre. Hein. Elle n'ose pas dire que je suis gros. Parce que je suis pas gros, moi. J'ai une grosse ossature, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que j'ai pas beau? Bah, je vais vous montrer. C'est tellement gros que je sais pas si je peux vous montrer la caméra. Je vais essayer. Ah, j'ai peint ça. Bonsoir, Gwenolan. J'ai peint ça. Le gros dragon de Joan of Arc. C'est une commande. Le client est pas au courant que j'ai terminé, tiens, en fait. Faut que je lui dise, quand même. Bon, il est plus beau en vrai que là, parce que là, l'éclairage, il est pas top. Je vais essayer de passer en caméra le cheveu gras. Tout à fait. Un petit peu. Bon, sinon, ça va. Alors, je... voilà. Oh, bah, tu m'as oublié, Zoz. Ah, bah, oui, mais c'est fait, Gwenolan. Bonsoir, Gwenolan. Je suis désolé. David, Denis, quand tu veux, Zoz. Eh ben, voilà. Quand je veux quoi, je sais pas. Where is the festige? Ok, bon, ça, mon cœur, il y en a qui picolent, déjà. Il y en a, ils sont déjà mûrs, hein. On n'a même pas commencé le live, il y en a qui sont, à mon avis, à la 3-4e bière, là. Bon, alors, j'ai essayé de vous le montrer, en gros. Comment on va faire? C'est trop gros, ça. On va soulever la caméra, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire ça, on va mettre le fil là, on va tout dérégler, quoi, pour vous montrer, quoi. Ah, on est obligé. Donc, on a peint ça, ouais. The Dragon. C'est le dragon de Joan of Arc. Alors, vous voyez, j'ai essayé de faire un peu un effet luminescent, comme s'il y avait le feu, hein, t'as compris, qui vient des... Attends, je vais te le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Comme s'il y avait le feu qui vient des, si tu veux, de l'intérieur, tu vois, de la bâtisse, que le dragon, il a brûlé. Hein, tu vois, je me raconte des histoires dans ma tête, quoi. T'as compris l'idée, hein. Voilà, je suis pas trop con. C'est trop gros, hein, vous m'emmerdez. Je peux pas vous montrer correctement, qu'est-ce que vous voulez. Comme ça va, non, on voit pas trop la gueule. Parce que la gueule, elle est pas mal. J'aime bien. Bon, de toute façon, il a une bonne gueule, ce dragon. Il est très joli. Ah, là, on voit mieux. Ah, là, oh putain, on voit mieux, là. Regardez. Impressionnant, le bestiau. Hein. Vous avez vu ça, un peu? Regardez-moi ça. Bon, la mise au point est pas extraordinaire, mais... Si je mets ma main, là, ça va faire la mise au point. Ah, voilà, mieux, là. Voilà, hein, bonne tête de dragon, là. Vous avez vu? Voilà, l'effet feu, là, un petit peu. Ah, vous aimez bien? C'est superbe, hein? Bon, c'est une belle figurine. Hein. Et l'effet feu, vous voyez, genre, il a cramé la bâtisse, vous avez vu, quoi. Hein, c'est bien de se raconter des petites histoires comme ça, avec un peu de fluo. Hein. C'est facile à faire, mais ça impressionne toujours le chaland, ça. Ouais. Ce que me permet... Je mets un peu de fluo, ça me permet de faire doubler, tripler la note des commandes. Hein, moi, je fais ça. Ouais, si vous voulez, il n'y a pas... Hein. Fait comme on peut, hein. Bon, je le remets là-bas. Voilà, donc ce dragon-là qui est terminé. Grosse bête, hein, grosse bébête. Si vous voulez que je vous peigne des trucs, n'hésitez pas à m'envoyer. Hein. Voilà. Je vous ferai un devis. Quoi? Combien d'heures dessus? Bon, 15 minutes. 20 minutes à tout péter. Non, alors combien d'heures dessus? Là, il doit y avoir... Mes amis, il doit y avoir... 5, 10... Un peu plus de 10 heures. Un peu plus de 10 heures, je pense. Parce que je l'avais déjà peint, donc j'avais déjà un peu des... Ouais, il doit y avoir un peu plus de 10 heures, là. J'avais déjà des process. Alors, j'ai remis la caméra un peu basse comme elle était, donc c'est... Je suis désolé, c'est à l'envers, mais en fait, c'est à l'endroit. Enfin, voilà. Du coup, c'est écrit à l'envers, mais ça filme à l'endroit. Enfin, bon, on s'en fout. Vous voyez, hein, c'est l'essentiel. Donc, on va peindre la luxure, ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau, les copains? Run of the Festies, c'est du flamand, monsieur Zoz. Oh, pardon, ça va. Oh, manger une frite. Voilà. J'adore les dragons, Fabien F. Magnifique. Stéphane, comme dirait mon ami Obélix, il n'y a pas de gros ici. Il n'y en a qu'un et il n'est pas gros. Voilà. Kéouline, trop beau. Bah, super. Il est énorme, ce dragon. Bah, merci, Gwenolan. Stéphane, le dragon est sublime. Combien d'heures dessus? Bah, voilà, j'ai répondu. Donc, un peu plus d'une dizaine, douzaine d'heures, je pense. Trop la classe. Mathieu Véré, bonsoir la Zoz Family. Pierre Galis, ah, et au moins pas de jointure aux ailes comme le tuto dit là. Bah oui, j'ai jointé. Alors, c'était pas prévu au départ. Je l'ai fait. J'ai pas rajouté sur la... Je suis sympa, je peux pas demander. Parce que c'est, voilà. Maintenant, faut que je trouve le carton pour lui envoyer. Et surtout que ça se casse pas dans le transport. Ah, il faut que j'emballe bien. Il faut que j'emballe bien le bousin, donc ça va être le challenge. Mais bon, après les jointures, c'est sur une pièce comme ça, c'est compliqué de voilà. Donc là, j'ai voilà.
Médoc oblige. Aïe, 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 Mathieu. Stéphane, ah ouais, quand même. Chapeau bas, monsieur. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Tu vas peindre la luxure, madame Tipeee. Body painting. Ah, ils veulent que je peigne la luxure sur ton corps, mon cœur. Ouais, on va parler de la luxure. Hein. Pourquoi pas, mais il n'y aura pas de photo. Ah, ouais, donc ce sera tout en audio. Hein, je vais faire une... Ce serait pas mal, ça, une chaîne de peinture sur figurine, uniquement podcast audio. Ça, c'est jamais fait, ça. Ça, c'est jamais... Là, il y a un concept. Pardon ? Faudra qu'il s'imagine. Ouais, bah, vous mettrez un porno à côté, quoi, un truc. Alors, on va peindre ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai basé en noir. J'ai basé en noir avec la bombe, mais vous allez voir que ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas, messieurs, dames ? Hein, messieurs, dames et transgenres et non-genrés et arbres et saucisses et tout. Enfin, tout le monde. Je m'adresse à tout le monde, moi. J'aime tout le monde. Pourquoi ça ne suffira pas ? Parce que cette sous-couche noire, figurez-vous, que quand on la passe même à l'aéro ou en bombe, il y a toujours des petits coins où elle ne vient pas. Donc là, j'ai fait base noire avec mon aéro comme ça en pchip-chit. Hein. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je vais recommencer avec donc mon polyuréthane noir au pinceau pour aller chercher les petits interstices qui n'ont pas été basés en noir. Parce que le noir, il ne va pas rester. Mais il y a bien un endroit où il faut qu'il reste, c'est dans les creux les plus profonds. Et si les creux les plus profonds, je les attends pas à la bombe. Et voilà, t'as compris. T'as compris. Donc, toujours, moi, après avoir basé avec l'aéro, avec les bombes, ou avec ce que vous voulez, si on veut faire un bon travail, c'est pas inintéressant de revenir au pinceau pour aller choper, vous voyez. C'est toujours... des fois, c'est discret, on le voit pas. Hein. Je vais vous régler la caméra pour que vous puissiez voir, mais... Parce que vous, il faut que je vous montre. Hein. On est sur une chaîne de l'illustration. On est sur la chaîne de la démonstration. On est sur la chaîne de la compensation. On est sur la chaîne de la transcendation. On est sur... C'est mieux, là ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, vous voyez pas très bien, mais faites-moi confiance. Il y a toujours un peu du noir qui va manquer à certains endroits. Donc, on va aller... On se met un peu de noir dans une écuelle. On n'a pas besoin de le diluer des masses. Hein. Il est assez dilué. On mettra de la flotte s'il faut. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez, là ? Stéphane pas que je dit, ça se fait un emballage avec mousse expansive pour prendre la forme ? Demande. Ah, peut-être. T'as jamais fait, ça. Non, j'ai jamais fait. Pour ouais, que je t'as vois. Jamais eu besoin d'envoyer. Non, j'ai jamais eu de. Ouais, ouais. Ah, vous voyez, là, sous le tété, là. Sous le tété, bah, là, il s'est pas passé l'héros. Mais c'est normal, vous voyez, comme le creux, il est là. Donc, forcément, que c'est pas allé chercher ça. Donc, là, bah, comme c'est pas allé chercher, bah, moi, je vais le chercher au pinceau. Donc, ça, c'est la première chose à faire quand vous basez vos figurines en noir. Enfin, j'estime, hein, pour ma part, toujours. Un petit passage au pinceau, en plus, pour aller chercher les creux où nécessairement votre aéro, votre bombe, ce que vous voulez, ne sera pas allé, à moins que vous ne vous couchiez au pinceau. Hein. Mais nécessairement, ça ne sera pas allé là-dedans. Et c'est pareil avec le blanc. Hein. On ferait exactement la même chose si on avait sous-couché en blanc. Hein. On va faire les premières étapes à l'aéro, et après, on va venir, bien sûr, finir tout ça au pinceau. La luxure. Il y a Led Foss qui dit elle a 10 pas de photo, mais elle n'a pas refusé la vidéo, notez bien. Alors, Led Foss, tu ne c'est vrai, pas. Il a dit. C'est vrai, il est, pas, il est malin. Hein, mais Led vous savez qu'en body painting, on l'avait fait sur le oui, c'est vrai. Pour l'annonce de. Pour la soirée échangiste que de. Avec... Ah non ? Pour l'annonce de ma grossesse. Ah, à ma pour famille. La naissance de Romane. Ouais. J'avais dessiné sur le ventre un bébé. Et c'est comme ça qu'on l'a annoncé à ma famille. Et donc, elle a montré son bidou à la famille, et la famille, elle a compris. C'était beau, c'était... Bah, c'était, je me rappelle, j'ai dit... Il savait, tu faisais déjà la peinture sur figurine, et j'ai dit, bah, Zo, il s'est trouvé une nouvelle activité artistique, maintenant, il fait du body painting. Ah bon ? Bah oui, tiens, regarde, je te montre, regarde, il a fait sur moi. Et là, ma belle-sœur a été la première à citer... Ah, c'est pas vrai, non ! Ouais, truc de gonzesse, quoi. Bon, alors, donc là... Voilà, vous voyez ces petits creux, là. Évidemment, ça peut... Ah, vous faites pas ça avec un super pinceau, hein. Vous faites ça avec un pinceau, voilà. Alors, non pas que ces pinceaux-là ne soient pas très bons, c'est les pinceaux Wargame Spirit. Ils étaient très bien. Sauf qu'avec l'usage, bah, forcément, il a vieilli. Mais ne jetez jamais vos vieux pinceaux. Vous les gardez pour faire ce genre de petits trucs, là, vous voyez. C'est dans les vieux pinceaux qu'on fait... Ah, voilà. C'est pas ça. C'est dans les vieux pinceaux qu'on fait les meilleures sous-couches. Donc voilà, on fait ça. Donc ouais, vous avez compris, hein, step one, quand je sous-couche ma figurine, parce que je ne vous le montrais pas ça, et c'est un tort, hein, c'est un tort de ne pas vous montrer ces étapes-là. Step two, eh bien je reviens avec un pinceau pour aller mettre ma sous-couche aux endroits
où ça n'est pas passé, et nécessairement, il y a des endroits où ça ne passera pas. Hein, vous voyez, dans la raie des fesses, là. Qui arrive à se coucher une raie des fesses ? Qu'il se désigne ! Personne n'arrive à se coucher la raie du fion. C'est pas vrai. J'y crois pas, moi. Pas à l'aéro, en tout cas. Hein ? Il n'y a rien de tel qu'un petit pinceau pour aller se glisser dans la raie tout net. Voilà. Bon, on est bien, là. Je pense qu'on est pas mal. On a mis du noir partout. On va pouvoir poser notre pinceau. Voilà, on en est là, les copains. On va pour passer à l'étape prochaine. En avant, d'abord, je vais lire le chat. Ça met une ambiance, ce truc. C'est dingue. Alors, qu'est-ce que vous dites de... Je suis là. Mathieu Véré, il est là, on a compris. Médoc oblige, Stéphane. Ah ouais, quand même, ça j'avais lu. Ça fait un balade avec nous. Oui, j'ai fait que ça. Bah, et oh, ça prend du temps, hein. Ouais, bah... Coucou non. Mathieu de Dame Tipeee, let's vote. Puis tout le monde a touché le bidou et ils disent félicitations, mais je suppose que personne n'a touché les baloches de Zoz en lui disant félicitations. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, mon cœur. Personne n'a touché le ventre de papa ? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Hein. Pourtant, qui souffle le plus pendant 9 mois ? Ben l'homme, évidemment, ben oui. Tu sais qu'on souffle, nous, pendant l'accouchement. Alors ça, c'est pas hein possible d'entendre ça. Mais tais-toi, t'es pas concerné. Si, je lis. Mais on t'a pas parlé. Hier, c'est un scandale. D'autant plus que sache que j'ai eu un bébé préma, donc j'ai eu des contractions pendant 2 mois. Donc non, je crois que moi, j'ai souffert, tu vois. Bon. Et moi aussi, j'ai souffert avec ma varicelle. Bon, c'est bon, tout le monde se plaint, tout le monde souffre, voilà. Mais on est pas... toi aussi, tu souffres. C'est ça, ouais. Moi, je souffre, moi. Mais moi, je souffre en silence. Moi, je souffre avec dignité, moi. Tu souffres en silence ? Bah oui. Tu m'entends me plaindre, moi ? Bah oui, on t'entend pas vu que t'as rien. Bon. Alors, donc, pourtant, voilà. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais il dit la vérité, Pierre, c'est tout. Alors, maintenant, step 2. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est un truc qui ressemble un peu à ça. Attention, les petits pieds. Attention, les petits pieds. Tiens, donne-moi la petite boîte qu'elle a à mon cœur, d'amour. Que j'aime, que j'adore. C'est quoi ? C'est une petite boîte avec des monstres dessus. Ouais, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, papa ? Il parle des monstres. Hein, et pourquoi tu veux la boîte ? Parce que je veux leur montrer l'illustration qui va nous inspirer. Hein, on n'est pas obligé de la respecter à 100%, mais l'illustration est sympa et j'ai envie de rester un peu dans cette idée-là. Papa. Et je vais vous expliquer comment, à partir d'une illustration, hein, j'envisage un travail. Alors, regardez-moi ça. Tiens, remets ça à sa place, s'il te plaît, puis tu me passeras un coup sur les vitres, et puis tu vas pédaler pour remettre de l'électricité. Merci. Ok, je reste là. Je fais rien. Donc là, regardez-moi cette illustration. Voilà, on a ça. C'est beau, hein. Alors, c'est issu du jeu The Other Seven Sins, qui est un très bon jeu de plateau, que moi j'adore, qui a de très belles figurines, et notamment, on a celle-ci. Il a 36 000 têtes, lui. Hein ? Il a 36 000 têtes, tout à fait. Il va pas bien du tout. Ah non, il est pas en forme. Bah, si tu vois. Voilà. Alors attendez, je refais un petit réglage. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais, ça c'est bon. Là, je voulais mettre le loop. Voilà, on est bon. Donc, on va essayer de voir. Alors, quand j'analyse ça, je me dis comment de ça, hein, on va essayer de se rapprocher de ça. Eh bien, alors, déjà, première chose, il faut se dire que les couleurs les plus claires ont un pouvoir de couvrance plus faible que les couleurs les plus sombres. Bah, ça. Ce qui peut être... Tu m'interromps pas, s'il te plaît, sinon je vais te punir. On peut le savoir, hein. Je le savais déjà. Oui, parce que tu es la fille de The Studio. Le studio qu'il vous faut. Tu mets du noir et par-dessus du jaune, c'est le noir qui va se voir le plus. Et voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va plutôt partir de cette couleur claire, là. Une couleur claire qui est un petit peu... C'est pas de la chair, hein, vous voyez. C'est un peu chair putréfiée, c'est un peu blancasse, un peu tout ça. Oui, on dirait qu'il va vomir. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette couleur-là ? Je sais pas, mais en tout cas, un truc qui se rapproche de ça... Moi, je pense qu'on va partir sur une couleur chair un peu claire. Peut-être un truc un peu comme ça. Attends, je vais vous montrer. Hein. Comment comme ça ? Je vais vous montrer. Moi, je pense que la chair... Je parle fort parce que là, vous ne devez pas m'entendre. J'aimerais bien un truc un peu comme ça. Vous voyez ? C'est une espèce de violet pastel. Voilà. Sauf que si je pars de ça pour aller à mon violet pastel, c'est trop fort. Il faut que je passe par une ombre à l'aéro. L'idée, c'est qu'avec l'aéro, je vais aller taper un peu des ombres. Donc, on va aller essayer d'aller chercher déjà une base un peu violette. Moi, je pense que ça peut être pas mal.
Donc on va se faire base violette à l'aéro, excusez-moi, je rotote, qu'on va faire un peu partout, d'accord? Parce que je vois qu'il y a un peu de violet, moi, là-dedans. Ensuite, on va venir avec notre pastel qui est ici pour remonter tout ça. Ensuite, au pinceau, ou peut-être à l'aéro, on ira chercher les blancs. Mais une fois que j'aurai ces couleurs claires qui seront posées, ça me permettra peut-être avec des jus, vous voyez, d'aller chercher avec notamment des shades et peut-être de même de la contraste, finalement. Parce que la contraste, ça peut nous aider, là. D'aller chercher un peu des teintes un peu plus chères, voire rouges. Hein, ça peut être sympa, un peu rougeâtre, là. Et un peu, voire noir-gris, là, dans les mimines. Hein. Vous voyez, c'est ça, notre plan. Pourquoi? Parce que je garde toujours, quand je dessine mon plan dans ma tête, l'idée que les couleurs claires vont avoir un pouvoir de couverture plus faible. Donc, comme les couleurs sombres ont un pouvoir de couverture plus fort, c'est plus intéressant pour moi d'aller poser le sombre à la fin, sur les parties claires, ça va mieux marquer, que d'essayer de démarrer sombre et de remonter après tout au clair. Ça va me demander beaucoup de passages, vous voyez. Donc, j'essaye de penser le moins de travail possible. Hein. Un bon peintre est un peintre un peu feignant. Voilà, ratez ça, c'est un conseil. Le bon peintre, il pense d'abord, avant de commencer à peindre, il se dit « Oh là là, comment je peux tenir efficacité ?» Voilà. Donc moi, je pense que ça peut être là. Après, on ira chercher les petits détails, un peu orange, tout ça, les bubons, les machins, évidemment. Mais pour l'instant, si on regarde au global, on a surtout du clair sur de la figurine, de la couleur chair rosée en intermédiaire, et puis du noir un peu décomposé, gris, là, sur la partie inférieure de la figurine. Bon, bah, on va essayer de respecter ce schéma-là. En posant nos couleurs couche à couche. Et pourquoi je passe pas directement avec ça sur mon noir, comme je vous dis? Parce que je pense qu'en intermédiaire, le noir est trop puissant pour mes ombres. Donc, je vais passer ça. Il restera toujours du noir, de toute façon, dans les creux les plus forts. Donc, voilà, ça va m'intéresser, quand même. Papa, d'avoir sous-couché. Et puis, de toute façon, faut bien sous-coucher. Faut bien sous-coucher. Si j'avais eu... Après, je te laisse parler, promis. Si j'avais eu ça... En sous-couche, j'aurais pu démarrer avec ça. Mais j'ai que du noir polyuréthane ou du blanc polyuréthane pour sous-coucher. Donc voilà, je mets ma sous-couche et après je vais avec ça. Donc, j'ai dit déjà bonne manière pour garder ta communauté parce que tu rôdes tout le temps. Ouais. Deuxième truc, il y a 39 spectateurs simultanés, 28 gemmes. Donc ça va pas du tout. Je sais pas, réveillez-vous pour les gemmes hein, parce que là... Non mais franchement, c'est pas possible, ça va pas c'est du tout là. C'est vrai qu'il y a un gros écart, elle a raison. Bah oui, levez-vous les doigts du... Hein ouais. Oh, il y a des enfants. Et il y a Stéphane qui dit vraiment chouette ces figues. Cyrial, c'est Adraine Smith les concepts. Adrien Smith Adrien... Ah peut-être, peut-être, je sais pas. À voir, je pourrais pas vous dire là comme ça, mais ça m'étonnerait pas. C'est bien le style en tout cas. Ça me donne quand même pas envie de luxurer un max, et dit Pierre Gilles. Ah bah c'est la luxure. Alors pourquoi? Parce que c'est le péché de la luxure représenté en mode monstrueux démoniaque. Ouais. C'est le péché, vous avez compris. Allez, Wallace avec nous. Coucou Wallace. Coucou Wallace. Coucou. Alors, dans mon aéro. Netfaos, une palette intéressante quand je regarde Lilu. Ah, tu vois? Intéressant, c'est bien. Armand, bonsoir à tous, je vais peut-être arriver à être là ce soir, tiens. Ah, ah bien, bah c'est bien Armand. Un petit like Armand alors. Armand, un like, si t'as pas mis de like Armand, je te... Armand, écoute-moi bien. Si t'as pas mis de like... On n'est plus copains. On n'est plus copains. Pierre, punaise, j'ose même pas imaginer comment elle serait si elle avait dépassé le terme de 3 semaines et 5 kilos à la sortie. Ouais, oh, il disait qu'il comprenait mieux son côté rageuse. Ah oui, non, il est très... très... Orbacus, bonsoir Roman, Zaz, elle a énormément et de énormément et moi, je sens le pâté, Orbacus. Oui, bah écoute, quand tu vas dans un... Enfin, je sais pas, moi. Quand tu vas dans une maison de l'ambassadeur, tu dis bonjour au domestique. Ah ben non. Oh voilà. Non, mais c'est comme ça. Mais c'est dégueulasse ce que tu dis. La domestique, tu sais ce qu'elle te dit? Tu t'apprends la vaisselle à la fin de ton live, à minuit. Je mets un peu de violet, d'accord, ouais, vous avez compris. Un peu de violet, ouais. Mettre un peu de violet, moi, sur la gueule, tu vois. Netfaos, vampirique, flèche, une pointe de vert, je dirais. Ah, une pointe de vert, peut-être. Bah, je suis parti violet, écoute. Après, rien n'est faux, hein. C'est une base un peu sombre, tu peux faire du vert, du bleu, puis après remonter derrière, bon. T'aurais pu faire tout bleu, ton zombie, hein. Oui, aussi, hein, je trouve zombie, pourquoi pas. Bah oui, Netfaos, mais ça existe. Corumbourg, Crimson, je dirais. Excusez ça. C'est une peinture. Puis on part sur un violet contraste bien dilué. Ouais, je pense aussi. On va voir ce qu'on va faire. En première base, on va déjà faire ça. Mais ouais, il n'est pas impossible qu'on revienne sur ce que vous dites, les gars. Fabien dit comment il s'appelle le jeu, tu as dit. J'aime beaucoup. The Other's Seven Sins. Je vous conseille d'aller voir. Ouais. Ça, peut-être ça se trouve un peu encore hein, sur les plateformes. Le jeu est bon. Le jeu est beau et le jeu est bon en plus.
Oui, confirme-moi, là, c'est Adrian Smith. Ouais, les extensions sont classe. Ouais, mais je pense... Enfin, rien qu'à voir les illustrations, c'est vrai que c'est tout à fait son style. Donc, Pierre dit, ah oui, la devise de Monsieur Mego, le sportif intelligent évite l'effort inutile. Voilà. Je crois que pour faire rager Roman, on va tous se faire amputer des pouces, tiens. Oh, il y a Tom Selleck avec nous. Il y a Tom Selleck ? Incroyable. C'est dingue, j'adore ce que vous faites, Tom Selleck. J'en ai un plein zéro. Sans... Non, ça n'a rien à voir. C'est pas Tom Selleck. Coucou Mika. Jérôme Calbo. Jérôme Calbut. Ah, et tu lis dans le frais avec un shade sépia, ça fonctionne bien aussi. Ah ouais? Ah, peut-être, je sais pas. Écoutez, alors, step one, on va faire ça. Attendez, je vais lever un peu ça. Du coup, ça, vous voyez plus ma gueule. Est-ce que c'est grave? Bah oui. C'est grave. Bah oui, je sens pas. C'est quand même toi qui peins. Parce que c'est l'aéro là. Bon, le temps que je fasse l'aéro, vous allez plus trop voir ma gueule, mais c'est pas très grave, hein. Mathieu, si. Dit la ça lui fera les pieds. Ça va. Bam. Et toi aussi, dit à Jérôme Calbo, mon sépia, c'est du AK, donc faut déjà bien le diluer, sinon c'est de la peinture vu sa saturation. Je tente un truc. Voilà, c'est dit Dame Tipeee, je t'ai salué plus haut, tu m'as ignoré, tu vois ce que ça fait. Oh le cerveau. Mais comment ça se fait que je t'ai... Comment j'ai pu te rater, Wallace? C'est pas possible. Voilà, c'est grosse... Je ne vois que toi. Voilà, c'est grosse mythe. La caméra est tombée. C'est ça. Mets-nous la caméra partout, histoire que tout le monde voit tout le monde. Bah oui, mais je sais pas comment faire. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah, parce que là, ils vont vomir tellement. Tu mais sais. Non, mais ils peuvent pas vomir, ils me voient moi. Bon, c'est un peu mieux positionné, mais je suis la frère descendre après. Alors, regardez. Hop, on parle Shade là-dessus. Shade Sepia Citadel, il est pas mal, dit Jérôme. Et il n'y a pas beaucoup de j'aime. 42 spectateurs simultanés et 33 j'aime. Ça va pas du tout, du tout, du tout, là. Hein. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je pars en zénithal. Voilà, après, je vais pas rester que sur du zénithal parce que cette couleur-là, elle a intérêt à aller un peu partout. Hein. Le noir, il va rester vraiment que dans les creux pour moi. Hein. C'est... Solène, elle dit, oh punaise, ah, Solène, elle est là. Seven Sins, c'est 2016, Solène nous rajeunit. Eh ouais, je sais. Oui, c'est la naissance de Roman. 2016. On y est. Il s'est arrêté là, en fait. Hein, à la naissance de sa fille, il a bloqué. Je suis pas celle où je suis réaliste, et ça le fait marrer. D'accord. Oh, Bacchus, tu laisses trop Roman parler, Madame Tipeee, bonsoir quand même aux domestiques. Voilà, donc excusez-moi, Sharper 4, je vais augmenter la luminosité pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe, parce que sinon, vous ne verrez rien. Non, rien. Voilà. Ouais, t'as raison, Mathieu, c'est pas synchro et ça remonte au fur et à mesure. J'aime, 36, spectateur, 43. On est pas mal. Merci pour vos tips, hein. Notamment Clay Willin, hein. Il a fait un tip de 10 euros avant l'émission, dis donc. Enfin, avant l'émission. Ouais, j'ai entendu. La veille. Stéphane dit, je pars en zénithal, c'est où? Bon, mais alors, celle-là, Stéphane, excuse-moi, mais... Hein. Excuse-moi, Stéphane, mais là... L'intérieur des mimines. C'est bien dessiné, papa. C'est très bien, oui, montre le dessin. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, il faut faire des... Pouces. Voilà, il faut faire des pouces. Regardez, elle a fait des pouces. Hein, faites des pouces. Pas vrai, ça. T'as raison, mon cœur. Allez, fais des pouces. Donc, ah, je continue. Eh, tu vois, mais ça marche, hein. C'est souvent la menace ça qui marche. La menace. La menace, ça marche toujours. Et attention, hein. Attends. Bon, ils vont aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous faiblit l'aéro là? Allez, bats-toi l'aéro. Voilà, donc je pchipchite un peu partout, vous voyez. Il restera toujours un peu noir dans mes ombres les plus fortes. Ce qui est pas plus mal. J'hésite pas à passer même un peu par en dessous, vous voyez. Parce que cette couleur là, c'est vraiment une couleur sombre, hein, ce violet là. Il paraît pas sombre là, mais. Mais ça l'est pour moi, c'est pas une couleur de d'éclaircie, voilà, donc je me permets vraiment d'y aller même par en dessous. C'est le noir, il me sert vraiment qu'à poser après le reste de mes couleurs. Voilà. Regarde,
On a quelque chose qui est pas trop mal là. Sur la tronche, là, on peut monter un peu plus. Ouais. Très bon, mon cœur. On va le montrer. On va le montrer. J'espère que ça va les motiver. Mais t'as raison. Ici, ce qu'il faut, mon cœur. Alors, vous voyez, ça garde un peu l'ombre. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu là. Mais ça manque encore. Hein, ça garde toujours un peu l'ombre. C'est, vous voyez, par exemple, sous le dessous de bras, là, si je vais chercher, vous voyez. Toujours un peu du genre. Ah, voilà, s'il met plein de pouces, Mathieu Véry aussi, c'est très bien. Merci. Oh, c'est trop mais bien. Je sais pas si c'est là qu'il faut les mettre, les pouces. Je sais que c'est plus dans le... Voilà, donc là, on est pas mal. On a fait ça, on est très bien. Maintenant, on va passer au step 2, qui est véritablement, pour le coup, l'éclaircie de tout ça. Donc ça, on va se mettre un petit coup de nettoyage de ça, parce que ça, j'en ai besoin. Donc, j'essuie. J'ai plus besoin de ce mélange, là. Hop, on va mettre ça dans la flotte qu'il y a là. Pouf. 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 Et pouf. Voilà. Donc là, ça, c'est fait. Ensuite, je vais monter avec, du coup, l'autre couleur dont j'ai parlé. Donc là, j'ai fait du violet partout. Moi, en l'occurrence, c'était un violet de chez Aka. Voilà. Le purple. Et là, je vais prendre le pastel violette de chez Aka. Donc avec mon pastel violette, je vais aller chercher des couleurs un peu plus claires. Pour l'instant, je vais lire ce que vous dites. C'est pas du tout ça. Gros, voilà, c'est gros Smith, MDR. Oui. Et on n'est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Voilà, c'est gros. Mika du 24. Bonsoir. Tu viens d'arriver. Je suis arrivé, mini Tipeee. Relais les pouces. Donc j'ai mis direct. Voilà, tu vois, ça a marché, mon cœur. Mika du 24. Il a eu peur. Il a mis les pouces, tu vois. La menace, ça marche toujours. Ou comment donner les trucs parents directement à la descendance qui gueule à côté. Voilà, hein, moi, je suis éducation positive. J'aurais fait un zénithal inversé avec un bleu nuit plus sombre. Ah bah voilà, bah voilà. Voilà, hein ? Mais oui, mais t'aurais eu raison aussi. T'aurais eu raison. On se fait un zénithal inversé avec un bleu plus sombre parce que Solène a toujours raison. Solène, elle a toujours raison, c'est un peu délicat. Ou alors est-ce que je considère que ça, c'est mon zénithal inversé ? Ce violet, là. Déjà. Je sais pas, j'hésite. Tu m'aimais le doute. Non, on va rester sur ça. On va dire que ça, c'est mon zénith inversé, quelque part. Donc, je vais venir avec ça. Allez. Mais t'as vu la composition de Solène ? Bah oui, je sais, mais comme elle a toujours raison, ça me met le stress. Oui. Et Mika, ce sale enfoiré, qu'est-ce qu'il a dit ? Pour nettoyer l'aéro, tu le donneras à mon Tipeee pour le rajouter à la vaisselle. Ah, mais c'est pas bête, ça, mon cœur. Non. Parce que c'est vrai que quand je n'ai. Que plutôt, tu vois, que je. Parce que je peux te brancher, tu peux nettoyer, après tu me le ramènes. Non. Et Mathieu, il est d'accord avec Solène. Et il dit, mais bon, il écoute pas. Oh, bah écoutez, hein, on va voir. Je vais voir si ça marche, mon truc, là. Non, écoutez pas, mais t'écoutes pas, toi. Ah, voilà. Stéphane, tu as déjà testé les peintures Green Stuff World. Je les trouve vraiment pas mal. Du coup, j'abandonne un peu Citadel. Alors, non, j'ai pas testé les Green Stuff World. Je crois que j'en ai pas testé une seule d'ailleurs. Ouais, je sais, j'ai pas de Green Stuff World. J'ai du AK grâce à notre partenaire. Oui. Grâce à un gentil donateur de la chaîne. Ah bravo, montre mon cœur, c'est très beau. Je vais le montrer. T'as vu ce talent un peu ? C'est extraordinaire. C'est toi qui as fait mon cœur, mais oui. T'as un talent extraordinaire. Et dis donc, il y a école demain. Hein. Faudrait voir à pas trop traîner là. Hein. Allez. J'arrive. Tu fais bisous. T'as bien menacé tout le monde. T'as bien fait remonter les pouces. Tu peux aller te coucher, le devoir accompli. T'as fait ton job. Question pour le chat. Il y a un moment, j'ai remarqué qu'il y avait... un peintre de Martigues, mais je me souviens plus du pseudo. Est-il là ce soir ? Ah, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qui est tombé ? Elle a tout cassé. Et allez ! Alors ça, je ne sais pas. Débrouillez-vous, hein. Moi, je ne sais pas qui est ce peintre de Martigues. Hein. Voilà, donc là, on chasse le violet. Voilà. Qui avait... Hop, ça y est, mon clair remonte. Allez, c'est parti. Donc là, j'hésite pas à aller, pour le coup, plutôt en zénithal. Hein. Je peux bien insister sur le haut. Ça crachote un petit peu, hein. Bon, tant pis, c'est pas grave. Si ça crachote un petit peu, j'aurais préféré un truc un peu plus vaporeux. Je préfère quand c'est plus vaporeux.
Donc je fais monter doucement, excusez-moi, je vais me mettre dans l'axe, je vais rapprocher un peu, vous puissiez voir. Voilà, allez. Donc je fais dans ce sens-là pour avoir du zénithal, là, pour le coup. Hein. J'arrive, regarde. Ah, j'hésite bien, j'hésite pas à monter fort sur le haut, hein, parce que comme vous avez vu sur le haut, bah, c'est très clair. Tu me le laisses, bah, je montrerai et après, regarde. Mon cœur. Oh, c'est très beau. Je vais montrer après. Il est très bien fait. Et on pourrait presque faire un logo avec ça. Voilà. On est bien, je peux aller chercher un peu là aussi, hop, sur le haut, bien, on est quasi sur du blanc, hein, vous voyez, crachote un petit peu, faut que je nettoie le bout là, voilà. Donc là, c'est pas mal. Là, là, je suis bien. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, sur le front. J'insiste beaucoup, vous voyez. Hein, j'y vais, j'hésite pas à aller très fort. Hein. Et on va faire pareil sur le dos. J'hésite pas, même si ça va aller chercher un peu les creux. Vous voyez, c'est un zénithal très appuyé. Il reste pas beaucoup de mon violet, mais il en reste quand même un peu. Et ce zénithal très appuyé, il n'est pas inintéressant parce que de toute façon, avec les shades, je vais aller retrouver après la sculpture. Hein, parce qu'il y a plein de micro-sculptures. Et vous savez que quand moi, il y a beaucoup de micro-sculptures comme il y a là, j'aime bien moi aller ensuite chercher cette micro-sculpture avec des jus. Je trouve que ça, c'est très facile et ça marche bien. Voilà, donc je fais tourner mon modèle hein, dans ma main hein, en assistant voilà, sur les lignes les plus hauts. Voilà, 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 voilà. Les mimines, même si on va les repasser après avec du. Avec de toute façon du de la contraste. Mais c'est important d'aller les éclaircir aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est quasi revenu sur du blanc, hein, vous avez vu. Voilà, allez, hop, pareil, je nettoie ça, et je lis vos commentaires, les copains. Voilà, donc ça, hop, bon, j'en ai plein les doigts. Voilà, allez, on va un peu nettoyer ça là-dedans. Pof, pof, pof. Voilà, je vais faire biler mon aéro dans de la flotte. Et je lis vos commentaires. Avant de passer à la suite. Voilà. Ça crache un peu du violet encore là. Un petit peu encore. Voilà, bon, ça méritera un petit coup de nettoyage après, mais pour l'instant, de ce que j'avais à faire, c'est bon, ça me suffit. Voilà, je vais regarder un peu en démontant la bête. Hop, hop. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Vous avez vu, hein, je nettoie ça comme un rustre, moi. Hop, je remets ça là-dedans. Il est où ma petite bubuse là? Elle est là. Pof. Ça revient là-dedans.
ça ici, ça en bloc là, ça, ça va là-dedans. La petite prise, elle va là-dedans. Parfait, on est bon. Allez, ça, c'est fait, je le mets là. Parce que peut-être on le réutilisera plus tard, je sais pas. Mais voilà, on est bon. Alors là, vous le voyez peut-être blanc, un peu surexposé. Je vais diminuer la luminosité. Parce qu'en vrai, c'est toujours un peu violet. Donc je vais revenir maintenant avec du très clair. Avec un peu du blanc même, tiens. Avec un peu du blanc, enfin quasi du blanc. On va revenir avec du Ice Yellow. Alors c'est intéressant parce que mon violet était plutôt froid, je pense. Et là, le Ice Yellow, c'est sûr, il est chaud. Donc ça va pas être inintéressant de faire monter au Ice Yellow sur la partie haute de ma figurine. Donc je mets du Ice Yellow dans mon godet. Voilà, pour gagner encore un cran en luminosité. Alors attends, il y avait des trucs que je voulais dire, mais ça a beaucoup avancé depuis. Hop. Nous avions demandé une figue avec des nénés, mais alors comment dire, pas cela, mon Zos. Bah quoi, bah alors, hein, y a pas, faut un. Hein, c'est des beaux nénés. Voilà, question pour le chat. Il y a un moment, j'ai remarqué qu'il y avait un peintre de Martin. Ah, j'en ai parlé, ça. J'en ai parlé. J'ai dit que je sais pas qui c'est. Ok. Donc là, je vais me concentrer beaucoup sur le haut. Hein. On a fini de sous-coucher. Il faut aller sous-coucher. Voilà, donc beaucoup sur le haut, vous avez vu. Mika, j'espère que ce n'est pas l'héros qui s'est fracassé sur le sol de la cuisine. Non, j'ai juste fait tomber le couvercle envers d'une cocotte, qui n'est absolument pas cassé d'ailleurs. C'est très étonnant. Bah, tant mieux. Bon, t'as beau essayer de rendre la chose sympa, la fille reste pas belle, dit Mathieu. Mais si, vous allez voir. C'est quoi qui tombe là? Un type de pierre? Ah, j'ai pas vu! Si, Pierre, 5 euros. Merci, Pierre! Ah, bah, heureusement qu'il y a eu ce. Bah, oui, grâce à dernier type. Maintenant, j'ai pensé, je regarde dernier type. Merci beaucoup, Pierre! Oui, il y a eu un type, mon cœur. 5 euros! C'est énorme! Ah, ça va. Elle a bien appris, hein. Ouais, j'ai eu parce qu'à une époque, elle disait quoi, 5 euros, et quel radin. Merci beaucoup, Pierre. Hein, ça compte énormément. Hein. Non, franchement, ça aide beaucoup. C'est... Ça récompense le travail, l'abnégation. Hein. Voilà, donc merci beaucoup pour ce soutien, Pierre. Franchement, gros bisous. Bisous sur les fesses, même. Oui, j'arrive. Il y a tout le monde qui te dit bonne nuit. Bisous sur les fesses, ça m'est à craquer. Bah oui, il a fait un type de 5 euros, il mérite bien son bisou sur les fesses. Hein. Ah, il y a Mathieu qui dit voilà. En fait, faut nettoyer à chaque fois un aéro. Ouais, notamment si tu vas vite dans ton travail, pas nécessairement, mais sinon, oui, il faut quand même, tu vois, moi, regarde, une fois que j'ai fini, je nettoie assez rapido avant que ça sèche. Et entre deux couleurs. Pour que nettoie, bon. C'est qu'il faut nettoyer. Ouais, parce pour que moi je nettoie, c'est que. Et encore, je suis pas le plus grand nettoyeur d'aéro du monde. Bon, cela dit, ça fait très longtemps que je l'ai, il marche toujours. Hein. Ouais. Tu veux bien nettoyer ton matériel de peinture, par contre, la vaisselle... Oh, quelle menteuse. Quelle menteuse. Qui c'est qui fait la vaisselle le plus souvent? Qui c'est qui fait les repas le plus souvent? Tu veux qu'on échange? Il n'y a pas de problème. Qui c'est qui peint le plus souvent? Ah ben, et voilà. Qui c'est qui garde des sales gosses le plus souvent? Dame Tipeee, tu as balancé la vaisselle par la fenêtre. On a entendu un grand bruit. Une méthode efficace. Quoi? Tu cherches à communiquer? Non, mais j'y vais. J'arrive. Oui, c'est une méthode efficace qui me tente très régulièrement. Oh, c'est bien ça. Ma fille me fait un massage. Voilà. Oui, j'étais très tentée de balancer la vaisselle par la fenêtre. Ça c'est fait.
Allez, c'est bon, je crois que l'aéro, on a fait ce qu'on avait à faire. S'il a les fesses comme celles de la figurine, Pierre, je pense pas que tu le vois. Je crois que l'aéro, on a fait ce qu'on avait à faire. Alors maintenant, on va aller s'amuser un peu avec des jus. Un peu avec des shakes. Oh, dis donc, et je vais faire ma romane, hein, mais 49 spectateurs simultanés, 39 gemmes. Hein. Ouais, c'est pas. C'est vrai que c'est pas normal. Ça va, c'est pas normal. Montre le beau dessin qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait comme beau dessin. Voilà. Bravo Pierre déjà pour le type. Regarde, Pierre, c'est pour toi, Pierre. Je vais descendre un peu Pierre, ça maintenant. C'est pour toi. C'est pour toi, Pierre. Tiens, fais un beau dessin pour Pierre. Oh, on pourrait faire ça. Avant qu'elle ait le temps de coucher. Ah tu bah fais c'est ça. Non, mais rapide. Elle va hein. se coucher encore plus tard que prévu. Oui, mais il a donné 5 euros. Tant pis, elle se couchera à minuit s'il le faut. Tu vas me faire un petit dessin, mon cœur, pour Pierre. Tu fais un dessin pour Pierre. Il a fait un type de 5 euros. Il mérite son petit dessin. Merci, Pierre. Tu devrais faire ça à chaque. Ah, bah, à chaque type, je vais faire ça. C'est vrai, ça, c'est pas mal. Allez, je redescends ma tablette. Elle n'est pas couchée, elle lui demande Mathieu. Non, mais non, quand y a... tant que vous typez, on la couche pas. Ah oui, c'est bon ça. Non, on va avoir les services sociaux sur le dos, ça. Ouais, c'est pas bon. Et puis t'es moi, toujours. Je suis fatiguée, donc j'aimerais bien coucher un des enfants. Ouais. Toi, ça viendra après. Mais pour tu vois, tu as des bonnes idées, et puis après, tu penses au droit. Et... C'est pas facile hein, de créatif. Allez. J'ai bon. Mal à mes doigts. Et au cul, t'as pas... pardon. Alors là, on en est là. Voilà. Donc on a une couleur assez claire. On a du violet, on a du noir qui est resté. Vous pensez qu'il n'est pas resté mon noir, mais si, regardez dans les aisselles, là, vous voyez bien qu'il est resté le noir. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Oui, je regarde les aisselles. Donc on a toujours un peu de violet, vous voyez, quand on bascule, on voit toujours les... Bref, ça crée quand même de la texture, hein, mine de rien. Mine de rien. Allez, on va essayer de faire une mise au point un peu correcte là-dessus. Mise au point. Juste une a... mise au point. Allez, on y va. Voilà ce qu'il dit. C'est normal que j'en vois que 27 des pouces sur mon écran. Les gemmes sur mon écran. Nous, on a 42 gemmes. Ouais. On voit 42 gemmes. Moi, j'en ai bien... J'en ai 43 sur mon écran. Dis donc, Mathieu, mais qu'est-ce qu'il... Mais laisse les autres parler, Mathieu. On voit que toi, regarde. Il n'y a que ton icône, Mathieu. C'est pas possible, cette logorée. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis donc, toi, Mathieu. C'est le dire réverbal. Regarde ça. Mathieu, il parle, il parle. Ah, c'est bien, vous remontez, vous remontez. Ah. 46 spectateurs et 42 gemmes, on n'est pas trop mal là. Ah oui. Allez, on y va. Bravo. On va se faire. Alors, on va texturer un peu maintenant. Donc, avec les jus, hein, on va pas se. Oh, ça y est, il meurt. Solène, un petit coup de sèche-cheveux pour être sûr que c'est sec. Non, c'est bon là. Non, ça va. Franchement, ça va. Il n'y aura pas de. Alors. C'est Solgay qui a pas envie. Non, non, ça, non, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il faut que je fasse avec ce que j'ai aussi. Hein. J'ai du Flesh Shade. C'est pas mal ça, Flesh Shade. Ce que j'ai nommé tes peintres sur figurines mondialement connues, oui ou merde? Tu te calmes. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ces phrases-là? Séraphine Sépia. Faut que je fasse avec ce que j'ai. Mais Séraphine Sépia, j'aurais dit non, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais faire avec ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux? Oh, un type de Stéphane! Oh, merci Stéphane Savona! Mais un c'est type qui de Stéphane 5 euros! Savona, bah, c'est je quoi connais pas! Pseudo, du coup, bah, c'est merci Stéphane beaucoup! Savona merci Stéphane! Mais voilà pour le coup! Pierre! Alors, ça, c'est pour Pierre. Parce qu'on a un Stéphane. Voilà. Donc, Stéphane Savona, c'est Stéphane, c'est, sans doute. C'est un pirate et c'est quelqu'un qui est en train de tendre une figurine pirate. D'accord. Tu vas-y. L'as pas bien montré, j'aurais. Je vais le montrer là. On voit pas là, non. Non. Je vais le montrer là. Regardez. Regardez. C'est quoi le truc à côté du pirate? Faut que je le mette en plus grand. Je vais le mettre là. Mais non, on voit plus, donc, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais je vais mettre là. Là. Ah, c'est une main. Avec quoi, un pinceau? Oui. Ah, il dessine, il peint le pirate. Donc, d'accord. Il est à l'image des pinceaux de papa parfois. Merci mon cœur, c'est très joli. Il y a un vrai talent là. Là, il y a quelque chose. Hein. Merci. C'est quoi ton animal préféré qui c'est qui a liké après? C'est Stéphane Savona. C'est Stéphane qui a c'est fait quoi ton animal? C'est quoi ton animal préféré, Stéphane? Tu lui demandes ce que tu veux et puis elle le fait. C'est pas beau, pas ça. Beaucoup, mais voilà, avec plaisir. De rien. Ben, merci beaucoup. Merci, non mais Stéphane. C'est pas rien. Écoute, même un euro, ça n'est pas rien. Parce que moi, mon rêve, c'est qu'il y ait plein de petits types et qu'on y ait tellement de types et plein de petits types que je sois riche, blindé et que j'arrête la chaîne. Pardon. Quoi, mon cœur? Bon. Oui, je peins. Allez.
Donc. C'est mérité du gentil. Oh, c'est gentil, Stéphane. C'est... Ouais, tu fais un petit dessin rapide pour Stéphane avant de mais c'est quoi son, son c'est quoi son animal? Ah, ben attends, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que... bonne nuit, mini Tipeee, de la part de Solène. Il faut que Stéphane nous trouve un animal totem. Allez. Donc, je vais passer du... Reckland Flayshade. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu sombre, ce Reckland Flayshade, par rapport ah, à ce que je... Ah, les chats, il a dit. Les chats, allez, un petit chat. Ah, bah t'aimes bien, en plus, les chats, toi. Un petit chat, j'ai besoin de ça. Trois petits merci. Chats. Après dodo. Hein. Après dodo, le tu petit fais chat. Le cadeau de Tipeee. Après, là, après tu sais quoi, s'il y a d'autres types, c'est Madame Tipeee qui fera les dessins. Oh mon dieu, les pauvres. Bah alors, je vais pas demander ce qu'ils veulent parce que moi je serais pas capable. Ah si, ah bah si. Ah bah non, t'es obligé, mon cœur. Oh, t'es obligé de faire ce qu'ils veulent. Je vais diluer avec pas mal de flotte, vous voyez. Donc j'ai mis mon shade là, qui est le Reckland Flayshade, mais j'ai mis de la flotte aussi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie non plus. Oui, t'as raison, Mathieu. En plus, avec les ardoises comme ça, dessiner, c'est pas si simple. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que je commence avec le shade, entre guillemets, le plus clair. Parce qu'après, vous avez vu, en descendant sur la figurine, je vous rappelle notre illustration. Hein, ça part un peu sur du rouge, ça part sur du gris marron dégueulasse, là. Enfin, du gris vert, du gris... gris un peu, oui c'est ça, gris. Plutôt gris dégueulasse, donc pourquoi elle rigole? C'est un chat sorti de prison qu'elle nous fait, je crois. Non, j'ai fait un chat il avec des rayures. Il a un pyjama rayé, on dirait un sorti de prison. Et sur la partie basse, je peux peut-être faire un shade un peu plus violent. Vous voyez, là, je fais le plus violent, là, sur la partie basse. Alors, on va montrer. Ah mais non, je vais enlever le shade, puisque là, c'est pas cette couleur. Je suis bête. Attends. On va se prendre un coup de... d'ardoise magique à défaut d'un coup de baguette magique. Attendez, je finis mon petit passage chez le rapido et on va montrer. Alors, le petit dessin pour Stéphane. Attention Stéphane. Hop, petit dessin de Stéphane. C'est pour toi Stéphane, pour te remercier pour ton kit. Love. Voilà, tu as ton chat Stéphane. Ton chat prisonnier. Voilà. Pas prisonnier, il a des rayures. Mais oui, il a des rayures. Il est magnifique, ton chat, mon cœur. C'est superbe. Voilà, merci à toi, Stéphane Savona. Grâce à ton type, là, tu as remporté ce magnifique petit chat. Stéphane, il est tout mignon. Il a dit, fait ça. J'ai tellement appris juste en regardant tes vidéos YouTube. Je suis abonné, mais c'est la première fois que je viens sur le live. Oh, bah, c'est gentil. Trop cool, Stéphane. Bah, n'hésite pas à revenir. Écoute, ça va... bah, oui, surtout. C'est vraiment chouette comme message, ça. Ouais. C'est très gentil. Très bon, Philop. Bah, si j'avais le temps, j'aurais pu te faire un deuxième. Bah, non, mais c'est bah non. Maintenant. Hein, maintenant. C'est dommage. Maintenant, ah, c'est dodo. Voilà. C'est maintenant, c'est dodo. Et c'est Madame Tipeee qui va faire maintenant les illustrations. Allez, bah, tu vas faire quoi? Parce que les gens demandent. Non, ce que les gens demandent. Pas de la merde. Tu vas te concentrer et tu vas faire si un autre type, ce que les gens demandent, tu le dessines et puis c'est tout. Oui, bon. Je prie pour toi qu'il n'y en ait pas. Oui, mais je viens après. Oh, tu peux aller te coucher quand même. Arrêtez de tiper, vous serez déçus. Arrête, ils vont arrêter de tiper du coup. Bah oui, mais non, mais il faut leur dire la vérité. Tu sais pas dessiner, mon cœur. Ah bah c'est vrai. C'est pas... Si elle dessine pas trop. Non, j'exagère. Elle dessine le pas plus trop, beau des chats, il dit Stéphane. Ah. Merci. Alors ça marche pas mal notre truc là, hein, notre idée. Vous voyez, ça dessine un peu. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. C'est vrai, c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles, dit Cléoline. Ça marche pas mal et je pense qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus appuyant ici. Hein. Ça marche pas mal. Hein, ici, voilà, je vais sur une chair un peu plus appuyée. Donc je vais voilà, faire un shade un peu plus fort. Allez, bon, on continue sur le dos. Hein, parce que mine de rien, il n'y a pas que du shade ici. Il y a du shade là aussi. Là, il y en a là. Là. Je veux faire des lettres. Non mais c'est impossible de dessiner avec tu ce truc. Quoi? Bah elle y arrive bien, Roman. Non mais c'est super dur. C'est pas du tout précis l'ardoise. Tu regarde moi ça, on dirait que c'est effacé. Tu dessines quoi? Ah bah merci, tu l'as reconnu. Un chat? Bah oui, c'est ce que je voulais faire. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça s'efface là? Voilà, là je mets un peu de flotte parce que vers le bas, c'est autre chose. Hein. C'est impossible. C'est l'exprès. Voilà, donc, la principe, la technique, c'est d'être sur un shade plus léger sur le haut et un peu plus costaud quand j'arrive ici, vous voyez, donc j'insiste plus quand j'arrive à la moitié de la figurine.
Voilà, jusque là. Après les mains, tout ça, c'est un peu plus noir, donc je me formalise moins. Voilà, là, le du crâne aussi, je repasse un petit coup là, histoire bien texturée, parce que le shade, c'est toujours pareil, hein. En un passage, on a un résultat, mais on aura un résultat d'autant plus, je dirais, marqué, si on fait un deuxième passage, hein. Deuxième passage de shade, ça sert pas à rien, hein. Ça vient appuyer davantage votre couleur, voilà, voilà. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal là, sur ce shade là. C'est à peu près tout ce que je peux faire, Mika. Dessiner si l'homme invisible. Mise au point arrive à se faire correctement. Voilà. En plus, ça avait bien cherché, vous voyez, toutes ces petites micro-sculptures là. Et ça, c'est top. C'est exactement ce qu'on veut. C'est aller récupérer toutes ces magnifiques petites micro-sculptures. Qui sont là, là. Et qui sont bien, bien, bien agréables. Niveau esthétique, ça fait quelque chose de bien caca. Pierre, il dit, bienvenue Stéphane, si t'es pas belge ni canadien, tu es en minorité géographique. C'est vrai, hein. On a beaucoup de... On a des Canadiens, on a du Belge. On a finalement peu de Français, peut-être, hein, au bout du bout. Elle a pris ses verres, la mère Michel. Voilà. Voilà. Hop. Je crois que je vais perdre mes doigts. Je pense. Je pense. Il y a manqué de se faire arracher l'ongle par un gamin qui prenait la fuite. Les ça ongles. Deux. Deux ongles. Et je pars en dehors du chat et tu dis rien, toi. Mais je regarde le chat. Je peux pas regarder ce que tu fais. Je m'en fiche d'abord. Je te paye à quoi, hein, franchement, hein. À lire le chat. Bon, voilà. Ah non, il est de l'un. Ah. Ah. Bon, bah, il est français. J'avais un très bon pote juste à côté, moi. Ou deux. Là, bon, deux. Alors. D'accord. On a fini notre premier passage. My name is Bond. James Bond. Oh, mais t'es... Il y a plein de poussière, surtout, débile. Vu l'état de ton antre, parfois. Hein? Tu veux parler de mon fendement? Non. Alors, petit coup de sèche-cheveux. Coucou, papa Furax. Voilà, petite mise au point. Allez, on va continuer. Sèche-cheveux, une histoire, une histoire. Ah oui, c'est vrai. Faut bon, dire. Bon, allez, je continue sur le chat pendant que je... Du Volupus Pink. On va se faire ça avec du Volupus Pink. Je vais aller chercher, un peu de l'intermédiaire, c'est-à-dire je vais aller taper au niveau du milieu du corps et du bas. Allez. Et après, ça va finir avec... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser un peu Pas du Black Templar, c'est trop violent, une espèce de gris, quoi. Espèce de gris. Qu'est-ce que je peux avoir en gris, un peu. Un peu de dédurance. Ah, gris un peu. Un peu. Un peu. Un peu gris, un peu. Bah, du gris, peut-être, tout simplement. Hein, non ? Vous pensez quoi ? Non, ça peut pas marcher, ça va pas marcher. Je cherche une couleur, hein, je suis à vous dans deux minutes. Ouais, donc vous énervez pas. Tiens, peut-être un peu de vert. Du turquoise, c'est intéressant ça. C'est quoi ça? En turquoise, ça va pas être intéressant. Ça va pas être intéressant, turquoise. Tiens, du Space Wolf Grey, peut-être un peu clair le Space Wolf Grey. Oh, quoique. Quoique, quoique. On va tester. Allez. J'ai pris du... En contraste. Du Volupus Pink. Hein. Oh, Solène, à la fin. Un don, Solène. Un don directement dans le Facebook. Eh ben merci beaucoup, Solène.
Bah, gros bisous. Merci beaucoup pour ton tip. Mon cœur, Solène, elle a tippé. Ah, attends pas, ferme la porte. Alors, Solène, un hippocampe. Mais c'est trop marrant parce que j'ai failli dessiner un hippocampe. T'as failli dessiner un hippocampe? Mais oui, parce que j'en ai fait un dans ma classe l'autre fois. Si c'est pas du paranormal, ça. T'as failli dessiner un hippocampe avant qu'elle mette son message pour dessiner. Mais non, quand... Oui. Quand j'ai voulu faire la tête de chat, j'ai dit, oh, mais pourquoi ça s'efface? J'ai failli faire un hippocampe. T'as failli faire un hippocampe au lieu de faire la tête de chat. La probabilité de faire ça. Et Solène demande un hippocampe. Oh, Solène, on est connectés. Mais il y a du paranormal. Alors, dès que t'as couché la petite, t'as un hippocampe à faire. Tu auras ton hippocampe, Solène. Ah non, mais... T'as demandé, tu vas l'avoir. Hein. Mais vous rendez compte, le truc de dingue. La paranormalité du truc. Elle voulait faire un hippocampe, paf, Solène, elle poste pour un hippocampe. Si après, on va me faire croire qu'il n'y a pas de... Que tous les miracles, les trucs, ça n'existe pas. Ça, c'est l'illustration parfaite. Alors, pour que la transition se fasse intelligemment. Déjà, je vais décaler un peu la caméra. Voilà. La mise au point est correcte ou pas? Oui, ça va. Il faut que j'ai ici du... que je mette un peu de ça, là. Ici, donc un peu de Volupus Pink. Donc mon Volupus Pink, je veux le retrouver là. Par contre, l'idée, un hippocampe de cerveau ou un animal? Ah, un hippocampe de cerveau ou animal? Non, je pensais à l'animal, Solène, je pense. Hein, il me semble. J'ai honte, demain j'ai un pote qui vient s'initier à Edge of Sigmar et j'ai pas fini de peindre mon armée de Sylvanette. Bah, il te reste ce soir. Au boulot, Stéphane. Allez. Ça veut dire que Solène veut des cicatrices. Ouais, oh bah là, pour mettre des cicatrices, ça va être compliqué, c'est déjà tellement dégueulasse partout. Alors, on essaie de mettre ça, un petit peu. Alors, je le mets un peu au milieu, parce qu'au milieu, je sais, je suis sûr de mon coup, il va y en avoir. Donc, on met ça là, et après, ce qu'on va faire... Oh, tiens, ça a bien taché, là. Et après, ici, en remontant tranquillement, ici, eh bien, on va estomper, c'est-à-dire que je vais plus mettre de la flotte. Vous voyez? Ici. Et donc, on va avoir toujours... un peu de notre Volupus Pink, mais en petite dose, vous voyez, il y en aura moins. Voilà, ça me fait un petit dégradé. C'est sympa. On va essayer de faire ça pareil ici. Donc là, ici, Volupus Pink, on le marque, hein, ça, y a pas de doute. Et au fur et à mesure que je remonte, eh bien, on va plutôt être sur du Volupus Pink un peu flotté. Vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Donc on va essayer de faire ça un peu partout. Tout le tour, hein. D'ailleurs, j'aurais dû faire tout le tour ici, là, avant de m'engatser sur le reste. Donc là, sur le QQ, on est bien comme ça, là. Ah, sacré hémorroïde, hein, le machin, là. Hop. Là, la contraste pour ces travaux-là, là, c'est du régal, hein. Ça bosse tout seul, hein. Vous avez vu? Ça bosse vraiment tout seul. Voilà. La faire descendre assez bas là, et puis après ça va finir au espèce de gris là, un peu. Voilà, donc sur toutes les parties milieu là, comme ça, là, j'hésite pas à bien marquer ici. Voilà, là pareil, ici, pareil. Voilà, donc là, on peut vraiment marquer avec la contraste assez fort ici. Voilà, on est bien. Allez, on va faire pareil ici. Donc, hop. Voilà, donc toujours contraste appliqué assez généreusement en partie intermédiaire. Et au fur et à mesure que je vais remonter, ici, ben on va venir tout simplement plutôt travailler avec de la flotte. Vous voyez, donc je trempe mon pinceau dans la flotte, en fait, et puis je viens tapoter ben, à la jonction ici, hein, là où j'ai arrêté mon travail de contraste. Et puis au fur et à mesure que je remonte, j'ai stoppé avant sur mon sopalin. Vous voyez, ce qui fait que petit à petit, ben, je vais tout simplement travailler la contraste que j'ai déjà sur la figurine. Et c'est plutôt avec la flotte, voilà, que je vais venir vraiment travailler sur les bordures extérieures. Voilà, sachant que voilà, c'est ici vraiment que je marque la contraste assez fort. Et qu'après, sur le reste, je suis plutôt en dilution. Voilà. Donc là, en tout cas sur un premier passage. On est bien. Après, le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il faut attendre le séchage, hein, de tous ces trucs-là. C'est que on est obligé d'attendre toujours le séchage.
Eh bien, je vais en profiter pour tester dans le frais, à continuer et aller chercher les mains. Les mains, je vais tester avec ça, là. Je pense que ça peut être pas mal. C'est du Space Wolf's Grey. Une espèce de gris coloré. Allez, je vais aller chercher ça ici. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Pardon, je dis c'est plutôt pas mal, mais en même temps, je ne vous montre pas, ce qui n'a aucun intérêt pour vous. Voilà. Plutôt pas mal. Peut-être on pourra aller chercher quelque chose d'un peu plus... profond, enfin un peu plus sombre encore, je pense. Donc on va continuer ici. Alors vous avez vu, j'essaye de pas faire une démarcation franche, hein. J'essaye de remonter un petit peu dans mon volupis pink pour que tout simplement il y ait une liaison qui se fasse, hein, que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Donc pour ça on vient, on n'hésite pas à travailler dans le frais, quoi. Là je vais faire pareil ici. On va pas hésiter à aller travailler dans le friscouille. Voilà, les pieds ici, on peut aller chercher. Vous avez vu comme ça va chercher tous les micro-détails de la sculpture. Ça marche plutôt pas mal, ces techniques. Pour des figurines très sculptées, hein, avec plein de micro-volumes, ça marche toujours très bien. Alors on perd peut-être après un peu le volume global, c'est-à-dire le fait de traiter ça en volume plus global. Hein. On est plutôt sur du traitement volume détail. Mais je trouve que ça met tellement en valeur la richesse de la figurine que c'est un petit sacrifice, quoi, je trouve. Qui est pas très cher payé, parce que ça permet vraiment de mettre en valeur tous ces petits micro-volumes là. Et que moi je trouve particulièrement intéressant, quoi. Donc moi j'ai plaisir à les faire réapparaître, quoi, je trouve. Je trouve ça intéressant qu'ils réapparaissent. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais revenir un peu ici parce que je pense que ça manque un petit peu de détails. Donc on va revenir avec un petit juchère ici. Parce qu'il y a des petits détails qui ne sont pas apparus. Donc on va revenir avec un petit sépia encore une fois. En plus, entre-temps, ça a dû sécher. Donc je peux revenir avec mon sépia. Voilà, second passage de sépia. Ça me permet d'aller chercher, vous voyez ici, il y a plein de petits volumes là, qui sont intéressants d'aller chercher. Regardez-moi cette sculpture-là. Pour une figurine en plastique, c'est ouf, hein, quand même. Hein, ce qu'ils ont fait, hein. Avec ce Seven Sins. Je trouve ça vraiment ouf. L'intérieur de la gueule, j'hésite pas, hein, à aller bien marquer ça, parce que c'est assez sombre pour le coup, même si c'est sur le haut, c'est l'intérieur de la gueule. Donc pour le coup, ça vaut le coup. Là, ici, pareil, je peux aller assez sombre, parce que c'est quand même les flancs. Les flancs, voilà. Et surtout quand ils sont dessous, comme ça. On peut aller se permettre de charger davantage, et puis là peut-être un peu moins, voilà, allez, on va faire le tour des seins, mais on va épargner quand même le volume des seins pour essayer de garder une belle éclaircie sur ces volumes là, hein. C'est important. Regardez le volume des petits seins. Voilà, je tapote, vous voyez, on peut tapoter aussi, hein, pour aller chercher des creux qui sont plus difficiles à atteindre avec un pinçage de pinceau. Des fois, c'est pas idiot d'aller juste tapoter pour aller choper le creux. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer ça de manière scolaire avec le plat du pinceau. Vous pouvez tapoter. Hein. Voilà, ce deuxième passage-là, il est intéressant pour aller chercher des creux un peu plus forts. Ça assombrit un peu la globalité de notre travail sur le haut, qu'on voulait clair. Mais c'est pas grave, ce côté clair, on va le retrouver après au pinceau. Hein. On le perd pour un moment peut-être, mais on va le retrouver, rassurez-vous. Voilà. Donc là c'est bien, là c'est bien. Là c'est pas mal. Ici,
On va se faire un petit intermédiaire là, entre les deux, histoire que ce soit plus subtil dans le passage de l'un à l'autre, hein, que ça fasse pas trop, je passe du rouge au à cette espèce de teinte bleutée de manière un peu trop brute. Vous voyez, il faut quelque chose d'un peu plus progressif, comme je peux avoir là. Donc, on n'hésite pas à faire ça. Voilà. Là, on n'est pas trop mal sur ce premier passage qu'on va laisser sécher tranquillement. Vous voyez, assez rapidement, ça peut vous permettre de sortir des figurines de jeu, là, sur des trucs très texturés comme ça, là. Qu'est-ce que vous dites de beau? Qu'est-ce que vous dites de beau, les copains? Je ne suis pas mis de plus d'un petit pis. Stéphane, si Zose ne voit pas ta remarque... Ah, merde, bon, on en reparlera après. C'est allé trop vite. Voilà, du coup, c'est normal qu'il parle autant, il se rattrape. Stéphane, je m'y suis mis non plus, je me suis qu'après, j'aurais du mal à revenir aux peintures classiques. Ah, t'as du mal à revenir aux peintures classiques parce que tu t'es mis à la contraste, peut-être? D'un petit pis, il a pas vu, mais pas grave, pas de souci, occupé le monsieur à faire une œuvre. Oh, une œuvre, c'est un bien grand mot. Non, mais quand elle revient, elle va me reposer la question, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est ça, Mika du 24. La musique, vous l'avez, là? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de musique. Si? Un petit peu? Un petit peu de musique quand même. Oui, c'est bon. Si c'était intéressant, Stéphane, et c'est si rare les propos intéressants dans ce channel. Donc elle reposera sa question en même temps qu'elle fera son hippocampe. Hein. Il n'est pas question qu'elle rate l'hippocampe. N'empêche, j'aimerais pas croiser cette créature de mon matin au saut du lit. Hein. C'est vrai que c'est un peu moche. Sur l'épaule, entre les deux têtes. Ah, j'ai oublié quelque chose là, sur l'épaule, entre les deux têtes. Tu crois? Ah oui, là. Oh, bien vu. Oh, bien vu, Solène. Oh là là, mais quel œil de lynx. Cette Solène. Quel œil de lynx. N'empêche, Mathieu Véry, je causais moins avant. C'est parce que je prenais le soir à cause du taf. Du coup, je parlais moins. Ah, d'accord. Maintenant, ça y est, il peut. Ben, maintenant, j'ai plein de temps. Du coup, je prends la journée. Du coup, le soir, je parle. Ben voilà. Alors, on va rattraper la boulette, là. Heureusement que Solène, elle a des... son regard de lynx a permis effectivement de mettre à jour cet oubli. On peut remonter sur les cheveux parce que de toute façon, les cheveux, on va les traiter après en espèce de noir. Un noir un petit peu vert, peut-être d'ailleurs. Tiens, très pas inintéressant ça. Hein, histoire de rajouter de la couleur sur cette figurine. Comme si elle n'en avait pas déjà assez. Hop, je vais vraiment retapoter encore un peu les creux, vous voyez. J'insiste hein, sur ces parties-là. En creux, j'insiste fort. Vous avez vu, vous pouvez passer plusieurs coups de shade et de contraste hein, pour gagner en intensité. Voilà, donc là ça fait son job, hein, ça marche pas mal cette histoire, ça fait son job. Voilà, après sur le reste il va falloir laisser sécher avant de faire autre chose. Ici, voilà, il faut laisser sécher aussi. Alors, on va faire autre chose. Voilà. On est pas mal, c'est bien caca. Alors, j'arrête pas de roter, c'est dingue. Ouh là là, j'ai failli renverser le pot. J'ai failli faire une boulette. Alors, d'un petit pied. Ok, Mathieu, Fabien, ta figurine me rappelle ton direct il y a fort longtemps qui s'appelait Comment peindre l'horreur. Oui, c'est vrai. Oh, bah bref, on tourne un peu en rond, forcément. À force de faire des trucs. 2 ans de live, on me la fait plus. Eh ouais, attends. À la l'œil, hein. Mais si vous voulez, on peut lancer un débat intéressant. Hein. Oh, bah si vous voulez débattre. On peut débattre. Hein. Il y en a qui n'aiment pas trop, hein, des fois, quand on débat. Hein. J'ai remarqué. Moi, ça me dérange pas. Hein. Voilà, donc ça, c'est Bueno. Allez, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer tout ça, là. Hein. Je vais en profiter pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un truc de dingue. Arrêtez pas de lui dire, mais moi je chose du 42-43. Mais non, penses-tu ça? Si on avait décroché la navette, quand moi je l'ai demandé. Parce qu'évidemment, une fois que tu t'es rapproché de Saturne, forcément c'est plus compliqué. Alors forcément, prends le calme. Zectarien, oui, encore faut-il le prouver, il n'avait pas ses papiers d'identité sur lui, alors certes il vient d'une autre planète, j'entends bien,
Je lui avais dit des dalles de 14, sinon ça passera pas. Parce qu'évidemment, on avait à peu près un mètre à faire. Donc forcément, si on met des dalles de 14, de 14, à un moment donné, on va pas tomber juste, quoi. Ça dépasse. Donc il fallait nécessairement faire. Que je suis plus piscine à débordement, moi. Parce que je trouve que la piscine à débordement, ça te permet, tu vois bien l'horizon, et ça se confond avec l'eau. Et ça, c'est vachement agréable. Parce que... Mais je préfère quand même la côte de bœuf, tu vois. Mais bon, après, il est parti, il était fâché. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, une histoire de dingue, c'est sûr, mais bon. Si vous voulez, j'ai pris des risques. Bon, ça a séché un petit peu. Alors, salut Ben l'illustrateur, bienvenue. Bienvenue à toi. Voilà, on a un peu séché notre bousin. Alors, on va un peu insister avec le Volupis Pink pour gagner de la profondeur. Pas partout, mais dans certaines zones, on va creuser encore. On va creuser, c'est-à-dire que je vais insister encore. Regarde, là, j'ai du Volupis Pink. Hein, j'essaie de faire un peu la mise au point. Ah, voilà. Ici. Eh bien, t'as regardé, là. Si j'en mets encore, là. Hein, je rajoute encore un peu une tintouille, là. Hein. Ah, ça, voilà, on peut se permettre là. Donc, allez, j'en rajoute un petit peu. Je. Autour, je mets un peu plus de flotte pour délier le truc. Voilà, histoire que. Voilà, que ça se noie mieux. Voilà. Ici, je vais en rajouter un petit peu là. Là, je pense pas inintéressant. Voilà, donc j'en rajoute là. Et après, ce que je fais, toujours pareil, c'est que autour, hop, je viens avec un pinceau un peu déchargé. Donc, ce que vous voyez pas, c'est que je trimpe mon pinceau un peu dans la flotte. Je l'essuie sur mon sopalin humide et je viens tapoter autour de la tâche que je viens de faire pour intégrer ce Volupus Pink que j'ai mis assez fort là, sur le reste, hein, le dégradé, voilà, plus subtilement par rapport au reste. Voilà. Ici, pareil, voyez, je prends une touche de Volupus Pink au bout de mon pinceau, je la mets là, donc elle est assez forte, hein, cette couche-là, hop, et ensuite, regardez, je viens, tac, tapoter avec un pinceau un peu déchargé autour, mais pas à l'endroit où j'ai mis mon Volupus Pink pour l'intégrer, voilà, histoire que ce soit un peu plus fluidasse. Je vais faire pareil ici, vous voyez, là, hop, bas du dos, là, ici, bim, voilà, on va mettre du Volupus Pink un peu fort, voilà, tac, 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 voilà, et après, regardez, hop, je viens mettre dans la flotte, et je vais autour, avec un peu de flotte, l'intégrer, vous voyez, j'ai des petits balayages vers l'endroit où j'ai placer mon Volupus Pink. Voilà. Voilà, hop, je peux le faire remonter un petit peu pour créer un peu de la texture là-dedans. Là. Voilà, on va toquer les petits seins, là, on dirait. Hein. Une petite paire de seins sur l'omoplate. C'est original. C'est original. C'est pas tout le monde qui peut le porter, ça. Hein. Ça va pas à tout le monde, hein, les seins sur l'omoplate. C'est pas donné à tout le monde de bien le porter. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, là, c'est pas mal. Voilà, à des endroits où, vous voyez, je peux en rajouter un peu plus, où je vois qu'il y a des creux, je me dis, tiens, ça peut être des creux qui concentrent un peu plus de pigmentation à cet endroit-là. Donc, pourquoi pas. Hop, voilà. Attention à ne pas saturer trop en eau, parce qu'après, sinon, ça marque plus, ça se contente de se balader et de faire n'importe quoi. Allez, là, je suis assez satisfait du travail du Volupus Pink. Je vais maintenant revenir... avec ça là, hein, avec ce truc là, ce Space Wolves Grey, mais je vais rajouter quand même un gris un peu plus soutenu, parce que je trouve qu'on peut aller plus dans le sombre encore, à mon sens. Je verrais bien, hein, peut-être pas le Black Templar, mais un gris ce serait pas mal, si j'arrive à retrouver. Basicalum Grey, je tente un Basicalum Grey, allez j'ouvre les deux. Hop là, je vais tomber. Basicalum Grey et Space Wolf Grey. Voilà. Donc c'est un gris qui est un peu plus sombre l'autre. Hein, vous allez voir, d'ailleurs, je vais de suite l'appliquer. Je vais l'appliquer, tiens, sur cette main là, pour que vous puissiez voir. Un peu en partie basse. Voilà, là c'est le Basicalum Grey. Vous voyez, si je l'applique là, ça fait quelque chose quand même de bien sombrasse. Hein. Pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Et on va remonter après dans le frais, vous voyez. Avec le Space Wolf Grey ici. Voilà. Et puis sur la partie haute, toujours pareil, un peu de flotte. Voilà. Pour intégrer le tout. Voilà. Ça va me faire ça. C'est pas mal. Ça me va bien. Oh, c'est bizarre, il y a un petit picot là. Bon, tant pis. C'est la sculpture qui est comme ça. Oui, j'ai pas. Je sais. Vous allez me gronder. Ah, il a pas préparé. Il a pas enlevé la ligne de moulage.
Pour les figurines de jeu, écoutez, hein, pour moi, pour prendre le steak. Figurines de jeu, non, de Dieu. Voilà. Voilà, donc Basique Alungré concentré sur le bas hein, de la mine, hein, vous avez compris. Hop, voilà, tout ce qui vérifie tout là, tac tac. Voilà, c'est pas mal. On retrouve le côté sombre un peu de la mine, vous voyez, c'est plus sombre là sur le bas de la main que ce qu'on a là. C'est ce que je cherchais, donc on va continuer avec ce traitement là. Donc Basique Alungré sur le bas de la mine. Voilà, tout ce qui va être les doigts un petit peu. Tac. Voilà, l'arrière aussi, là, pas oublier l'intérieur de la mine. Basique Alungré, Basique Alungré. Voilà. Hop, petit coup, là. Quand j'en ai trop, je n'hésite pas à décharger. Et après, je vais remonter avec mon Space Full Grey directement dans le frais, ici. Voilà, donc je vais tapoter à la limite des deux. Voilà. Un peu dans le frais, tac, 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 tac. Voilà. Et après, avec de la flotte, je viens l'intégrer sur sa partie extérieure avec mon Crimson, mon rouge là. Voilà, donc là c'est pas mal. Et bien, on va faire pareil en bas. Le Basique Alungré sur le bas des petons là. Pof, 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 bien noir. Enfin, bien noir, bien gris foncé. Hein. Quasi noir, effectivement, hein, mais pas complètement. Voilà. On va refaire pareil sur ce pied-là. Ce qui, avec le socle noir, va pas être inintéressant parce que ça va donner l'impression qu'elle sort un peu du socle, là. Ça peut créer un petit effet sympa dans la lisibilité de la figurine, en tout cas. Voilà. Et après, on vient tapoter ici dans le frais avec mon Space Roof Grey. Voilà. Space Roof Grey ici, là, qui manque un petit peu. Vous voyez, à force de faire des passages, ça assombrit, forcément, hein, davantage. Et puis en plus, comme c'est, toutes ces couleurs finissent par un peu se rentrer l'une dans l'autre, ça crée un aspect un peu organique, un peu dégueulasse, qui n'est pas pour nous déplaire. Voilà, on est pas mal. On est pas mal par rapport à ce qu'on voulait, hein, qui est un peu ça, là. On est dans l'idée, quoi. Hein. On est dans l'idée. Voilà, on va un peu éclaircir après tout ça, mais on est dans l'idée. Il manquera les cheveux noirs, c'est tout, mais on est pas mal dans l'idée. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est un peu les bubons orange, parce qu'on a vu qu'il y avait des petits bubons orange. Alors, ces petits bubons orange, je pense que ce qu'on peut faire, c'est déjà maintenant attaquer un travail au pinceau. J'ai les petits bubons orange et j'ai les petits tétés qui peuvent être intéressants à faire apparaître là. Pour les bubons orange, je pense que ce que je peux faire déjà, qui va pas être inintéressant à mon sens, c'est peut-être... Je regarde un peu comment c'est fichu là. C'est peut-être d'aller chercher... Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais déjà aller mettre des petits points rouges avec un petit pinceau. Là, on va rentrer dans le détail là. Avec un petit pinceau, je vais rentrer dans le détail, je vais déjà aller chercher, on va essayer de faire une mise au point un peu correcte sur la figurine, voilà. Je vais aller chercher, vous voyez, dans ces petits trous-là, je vais mettre un petit point rouge dedans. Donc là, je ne vais pas prendre du Volupus Pink, je vais prendre un Red, hein, un truc, voilà, j'ai du contraste flèche-tireur Red, là, ça va être très bien. La transition jambe-ventre est un peu franche. Ah ouais? C'est vrai que là, c'est un peu franc, je suis d'accord avec toi. T'as raison, Solène. Bon, bah, on va gommer cette transition. C'est pas vrai. Elle me donne toujours des trucs à faire. On peut pas avancer avec Solène. Il faut reprendre ça. Voilà, j'essaie voilà, de faire un truc un peu plus... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Solène. Hein, c'est pas... non, si vous demandez pourquoi on perd du temps, voilà, j'essaie de faire un truc un peu plus transitionné. Quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ça conviendra. Bon. Voilà, bon, pour l'instant, on fait ça. On verra après. Pareil, ça. On peut pas avancer. On peut pas avancer avec Solène. C'est toujours un truc à... Toujours un truc à reprocher. C'est... Heureusement qu'elle type. Hein. Alors, tu peins un chewing-gum, Zoz? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, Bad Trip. Bonsoir, Barat Type.
Bonsoir, Flop. Bonne nuit, Mathieu. Ah, Mathieu va faire dodo. Bonne nuit, Mathieu. Bonne nuit. Gros bisous. Merci d'être passé, Mathieu. Repose-toi bien. Flobot, bonne nuit. Stéphane, bonne nuit. Donc, voilà, tout le monde qui dit bonne nuit à Mathieu, c'est très très bien. Solène qui critique, évidemment, voilà, qui n'aime pas le travail. Toujours des choses à dire. Papa Furax, joie des yeux jaunes or avec cette couleur et du popo sur le cucu. Oh, bah alors, ouais, bah, ah, bah, bravo. Bravo la mentalité. Hein. Ça, ça plairait à Mini Tipeee. Tiens. Oui, j'essaie. Je ne sais pas ce qu'elle essaie, mais... Solène a toujours raison, je trouve aussi. Salut à Brad Pitt. Il y a des bots, Solène. Ah, bah, c'est pas bête. Merci, Flobot. Il tente de défendre mon travail. Merci, Flobot. Ouais. Salut, Brad. Non, un tampon hygiénique prématuré. Bah, bravo. Voilà. Le niveau du chat, quoi. Qu'est-ce que les choses disent, la communauté. Hein. On touche le fond. Pour les bras, la transition est parfaite, rien à dire. Ah, pour les bras, ça va. Ah, quand même. Quand même, un truc bien. Compliqué, hein, je vous jure. Compliqué. Bon, je vais venir avec mon... Donc, je vais faire mes petits bubons, là. Mes petits trous, où il y a de la... Je pense que dans ces petits trous, vous voyez, on touche à la partie sanguinolente, sous la chair, vous voyez. Donc, je vais aller chercher ces petits trous, ça va faire contraster. Et puis, ça va faire des petits points rouges, là. Ça va être intéressant, ça. Bon, pour ça, il me faut un petit pinceau. Voilà, j'ai ce petit pinceau, là, qui est très bien. Qui va faire le boulot. Alors, hop, on le prend ici. Je dilue un petit peu. Pour avoir la consistance qui va bien, je vous rote dessus, excusez-moi, hein, voilà. Et on va aller chercher ici, vous voyez, donc c'est ça dont je parle, ça par exemple, voyez, hop, voilà, petit point rouge, là-dedans, hein. Là, il y en a plein, là, regardez, ici, hein, il y en a plein, on va aller chercher, ah, quand je vous dis, quand... on va pas faire une figurine de concours, mais on va pas s'endormir quand même, hein. Voilà, là, ce genre de truc, c'est sympa, ça. Ça, c'est bien caca, ça. Ça, c'est bien crade, bien ça. C'est bien malaisant, ça. Hein, petit truc rouge, là. Parce qu'on comprend. On comprend bien que... Hein, c'est... Ah, oh. On comprend. On comprend qu'il y a un truc qui est pas... Voilà. Là, c'est plutôt de la veine. Ça. Où c'est que j'en... Oh, j'en ai un beau, là. Là, j'en ai un beau. Donc, on va aller le chercher, ici. Voilà. Hop, là j'en ai un petit. Ici. Où c'est que j'en ai pas mal sur le bras. J'en ai quelques-uns sur le bras. Voilà, donc ça c'est pas mal. Là, on est pas mal. Là j'en ai un, je crois que je l'ai fait celui-là. Je sais plus, j'ai un doute. Donc j'y reviens. Là j'en avais trois petits. Non, j'en ai deux. Un ici et un ici. Je crois, en tout cas. Là aussi j'en ai quelques-uns. Là. J'en ai un là. Un là. C'est petit, hein, mais moi je les vois. Je ne sais pas si vous les voyez. On les voit plus sur les zones claires, c'est sûr. J'en ai un ici. Hop. J'en ai un beau là, là. Voilà. Ici. C'est là, j'en ai sur la main, là. Ici. Pof. Là, oh là, j'en ai pas mal là sur le cucu. Là, j'en ai un là notamment. Hop, là aussi, c'est ouvert. Là, ouais, on peut considérer. Là, c'est quasi, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus de la veinasse, je pense. J'en ai un ici, là, petit. Hop, là, ici. Bon, j'en aurais sûrement qui m'ont échappé, hein. Ça c'est. Voilà. Mais on pourra les rechoper après. Hein. Tiens, oh, j'en ai un beau là. Oh là là, qu'il est beau celui-là. Pof. Voilà. Voilà. Pof, on l'a fait, mais c'est pas inutile de repasser un petit coup. Là, c'en est pas un, ça. Est-ce que c'en est un, celui-là? Pof. Bon, ben voilà, ça c'est pas mal. Allez, après j'ai des parties où je peux l'avoir, mais plus en, je dirais, en filtre léger. Hein. Là, on pourrait penser que ça peut être un peu sanguinolent, là, tout là. Donc tout ça, là, en filtre léger, je peux avoir un peu du rouge. Voilà. Parce que tout ça, ça a l'air un peu quasi à vif.
Donc, ok, ça, ça marche. Où c'est que j'ai une zone qui ressemble un peu à ça? Là, pareil. C'est pas tout à fait un trou, mais c'est assez... assez sanguinolent. Donc, je peux avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Vous voyez? Donc là, je cherche quelque chose de plus dilué, déjà. Mais je vais quand même aller chercher un peu. Voilà. Oui, si j'ai oublié des bubons, comme disent certains, Solène me le rappellera sûrement. Ça, j'en doute pas. Ici, vous voyez, il y en a. Mais par contre, il ne faut pas que je sois aussi sanguinolent. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, je viens avec de la flotte. Pour... voilà. Vous voyez, c'est ça que je veux. Juste que ça aille chapeauter les... choper les petits creux, là. Un peu sanguinolent. Ici. Là, à l'intérieur, là, il y a plein de petites textures un peu sanguinolentes. Il y a plein de trous. Donc, on peut s'imaginer que... assez facilement, ça peut être un peu de chair à vif, là. Ici. À l'intérieur, voilà, là, c'est bien. Là aussi, hein, on peut s'imaginer le truc. Pareil. Vous voyez, j'essaye de traiter les zones en fonction de la logique. C'est-à-dire, je me suis dit, ces zones-là, quand c'est hyper... quand il y a plein de rayons, quand c'est hyper texturé comme ça, là, qu'il y a plein de petits trous, même si c'est pas des trous bubons comme ça, je vais passer au moins un filtre rouge là-dessus, vous voyez. Au moins ça, quoi. Parce qu'on se dit que c'est pas loin de péter, quoi. C'est ce que je me dis, hein. J'essaie d'avoir une certaine logique dans ma pose de bubon, quoi. Et après, j'en ai aussi en bas, hein. Regardez, là, j'en ai un là. Paf. Petite tache rouge là. Là, ici. Donc, petit point rouge. Là aussi, petit point rouge. Bon, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le travail qu'il fallait là, ici. On peut revenir remettre une gougoutte dans certains pour les marquer davantage. Ça, on a droit. C'est pas interdit. Loin de là. De là à dire que c'est souhaité, on n'est pas en haut. Oh, il y en a un que j'ai fait. Donc, vous voyez, il faut une petite pointe. Hein. Faut aller choper le, voilà, le petit... tapoter le petit creux là. Oh, il y en a un là. Vous voyez, il faut l'échapper sur là. Voilà. Là, un peu sur le dessous là. Je peux mettre un peu de rouge. Voilà, mais c'est pas un bubon donc. C'est plutôt un regroupement veineux un peu. Donc après, vite, on va le diluer avec de la flotte. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on est pas trop mal. Maintenant, je vais aller chercher mes petits bubons orange. Là, tout ça, là, un petit coup d'orange. Un petit coup d'orange. Avec ça, tiens, mon petit AK orange là, mon Deep orange. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Ah, les 5 qui tremblent dans la soupe. Bravo, belle image, bravo. Vous avez oublié, ça j'ai lu. Faut pas juger l'extérieur si ça dit c'est une très belle fête à l'intérieur. Mais oui, cela a toujours raison. Je te prends pour ces trous, ça me met un poil. Raison, je te comprends, tous ces trous, cela met les poils en l'air. Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai. Un peu de glacis, oui, voilà, on en fera sûrement aussi. Hein. Faudra chercher la beauté sous les plis, c'est ça. Avec le cul comme si Rocco était acharné. Ah ben, c'est horrible. Oh là là, et les pieds qui vont tomber de gangrène. Elle part bien dans la vie, la Spice Girl. Exactement. La fille, elle a les seins qui tremblent dans la soupe. Tout à fait. C'est... dégueulasse mais drôle. Bon, bah, non, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est Jerry Halliwell avant régime, en fait. Oh mon Dieu, vous êtes horrible. Tu rendrais pas violacer un peu les entrailles qui sortent entre les seins? Je sais pas, j'ai peur que ça ajoute un point sombre ici, et c'est pas le but. Je préfère plutôt monter en lumière, là. Parce qu'après, on a le noir des cheveux, en plus. Ça peut-être ajouter un peu trop... un peu comme les intestins plus bas. Ouais, à voir. J'écarte pas l'idée, Stéphane, mais à voir plus tard. Parce qu'il faut quand même une lisibilité et monter en lumière à un moment donné. Si je fais que... oula, j'en ai mis beaucoup. Bon, tant pis. J'en ai mis trois fois trop dans la palette de ce... voilà, c'est ça qui m'intéresse d'aller un peu chercher. Hein. Voilà. Et ces petits trucs là. Oh, c'est moche. C'est même un peu trop... enfin, pas plus clair, il faut. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un test. Est-ce que ça vaut le coup de les faire comme ça et après de faire un petit mélange et de les monter comme ça?
Ouais, ça vaut le coup de faire ça. Donc on va faire ça. Donc on va faire, pour faire un peu genre bouton d'acné, on va se le faire, ces petits points, on va se les faire orange comme ça. Et après, on va les éclaircir. Vous allez voir, ça va être très beau. Oh, c'est beau. Alors c'est toujours bon de s'inspirer, c'est un peu dégueulasse ce que je vais vous dire, mais de maladies de peau réelles pour traiter les sujets comme ça. Parce que du coup, ça rend encore plus malaisant quand on se dit, mais bordel, c'est comme ça dans la vraie vie. Que ça rend quand c'est moche. Ces petits trucs là. Oh, voilà, c'est toujours intéressant d'aller les chercher. Là. Pof, pof, pof. Voilà. Où c'est que j'en ai un peu des bubonasses là. On va aller chercher là, il y en a. Ici. Donc c'est un peu orange, hein, c'est un fait. C'est même très orange. Mais après, vous allez voir que ça va s'adoucir parce que derrière, je vais revenir éclaircir ce orange assez fort, ce qui va le rapprocher de ma teinte de peau. Et qui va faire qu'on aura moins ce côté peut-être un peu trop orangé. Puisque en fait c'est juste une base. Hein. Voilà. Donc, je le fais là, partout je vois un peu des bubonasses. Là, il y en a un là, un là, un là. Après, si vous en créez plus que ce qu'il y a, rassurez-vous, ça va passer crème hein, sur une figurine comme ça. Vous pouvez y aller les copains. Là, vous voyez ça. Pas inintéressant ça, de le traiter ou pas ça. À voir, je sais pas si ça vaut le coup. Excusez-moi, c'est un peu flou. Voilà. C'est un petit peu flou. Ah oui, oula, ça c'est bubon ça. Ça c'est gros bubon ça aussi. Hein, on peut dire que c'est gros bubon. Allez, on se le fait un peu genre c'est gros bubon. Alors du coup, comme il est gros celui-là, il faut un peu plus le dégrader. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit orange dégradé un peu dans le frais avec notre. Notre violet là. Hop, voilà. Un truc un peu comme ça. Histoire qu'il s'intègre un peu plus facilement là. Le bousin. Et on en a un autre là, vous voyez. Voilà. Donc là, en gros, c'est bien crado, ça. Oh, c'est bien crado. Ça, c'est bon ça. C'est bon comment c'est crado. Ça, il y en a un autre là. Regardez, vous voyez. Oh, qu'il est beau celui-là là. Oh, c'est joli, ça c'est bien crado. Oh, c'est beau, crado ça. Là, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, j'en ai un petit là, là. Hop. Voilà. Oh, j'en ai encore ici, là, de petits, là, ici. Hop. Ou alors, est-ce que. Ouais, non, ça je vais peut-être pas les faire en orange, ça. Je vais les laisser. Ça c'est plus intéressant, à mon avis, ces cratères là. Là. De les faire plutôt très clair comme ça là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc les bubons orange et le tour des cratères en couleur quasi blanc là. Hein, ouais, ça marche bien. Ça marche bien les cratères couleur quasi blanc, ça avait fait bien ressortir le glace. Bon, je continue mes bubons orange avant de me faire mes cratères. C'était juste un test. Là, tiens, je vais considérer qu'il y en a un là, après tout. On peut inventer un peu, hein. Là. Ouh, il y en a un beau, là. Ouh là là, tu vas me faire le plaisir de te soigner cette vilaine peau, là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà. Voilà. Là, où c'est que j'en vois, là. On en voit un ici. Deux petits là. Un là, un là. On a ici. Il y en a, j'ai un doute, je suis pas sûr, mais je les fais quand même apparaître. Là, c'est les tétés, ça. Là, il y en a un là. Là, j'ai fait un tour voyez orange, mais j'aurais pas dû. C'est plus un. Plus un tour de cratère qu'il faut faire là. Un ici, un là. Là, c'est une paire de tétés, ça. bon, bah je crois que c'est pas mal. Ici, il y en a sur les fesses là. On a un là, un là, un là, un là, un là, un là, là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ben, je crois qu'on est pas mal hein, sur les bubonasses là. J'en ai sur les jambes en bas. Faut pas que j'oublie ces jambes là. Hein. Là, on voit. Là. J'en ai deux petits. Un là, un là, un là.
Voilà, globalement, c'est ça. Là, ici, c'est bon. Là, ici, c'est plutôt du cratère. Là, c'est plutôt du cratère. Allez, c'est parti, mon... Ah, si, j'en ai vu un autre, là. Ici. Et ici. Et il y en a un là aussi. Petit. Et un petit là. Voilà. Bon, si j'en oubliais, je reviendrai dessus. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je me fais un mélange de mon orange avec une couleur qui est le Ice Yellow. Voilà, c'est pour me faire un orange très clair. Et avec ce orange très clair, ben, je vais venir taper le haut de mes bubons. Faire un petit dégradé. Qu'est-ce que vous dites de vous, les copains? Si c'est pour vomir sur sa figurine, pas envie de regarder les plaies réelles. Remarque, il y aura de la texture. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est... Je sais que si on veut bien faire, c'est pas un exercice idiot, mais c'est vrai que c'est pas ragoûtant. Je comprends, enfin, Luxure, une femme qui a... Merde, j'ai perdu... sûr que HG Giger l'aurait trouvé sensuelle, celle-là, de la part de Pierre. Et oui, effectivement. Au plus ça avance, moins Jean-Claude Duss aurait trébuché dessus. Papa Félix, elle est moche, mais elle a une personnalité en or. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'elle est moche, ta copine, c'est que elle a du charme. Hein, c'est particulier. Elle est originale. Originale. Trois têtes et donc trois fois plus de plaisir. Voilà. Heureusement que je précise que c'est une chaîne interdite aux moins de 18 ans. Heureusement. Le fétichiste du bouton explosé serait heureux avec celle-là. Ah oui, non, là, il y a du boulot, là. Il y a de quoi s'amuser, là. Wallace, Pierre Gallis, là c'est plutôt Jessica Biel et Jessica Abbott. Et Bubon le Hobbit. Pas mal, Wallace, pas mal du tout. Bon, bah je vois que vous abusez bien, les copains. On est 43, c'est pas mal, hein. 43, c'est pas mal. Hein. Allez, bon, j'éclaircis. Donc je reviens avec ma couleur claire. Hein. C'est assez, assez mathématique, hein, l'idée. Hein. Rien de compliqué dans ce travail-là. Je reviens avec ma couleur claire. Je vais traiter mes petits bubons. Hein. Voilà, hop, tac, 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 allez, alors où c'est que j'en ai, j'en avais là, bon bah tout simplement on vient mettre une petite pointe de clair dans nos oranges là, ça va permettre de les rendre un petit peu moins fluo que ce qu'ils sont, et puis de renforcer le côté un peu bouton d'acné, vous allez voir. Ça fait un peu genre bouton d'acné, quoi. C'est assez... Oh. Oh. Moi, j'en ai eu, hein, quand j'étais jeune, de l'acné. Hein. Ah, ouais. J'étais pas beau. Hein. J'ai eu une tête de clafoutis, à un moment donné. Hein. Maintenant, j'ai une peau maléfique, hein. Là, vous voyez bien. Mais c'est pas toujours le cas. Quand j'étais petit... C'était un véritable clafoutis. Hein. Oh là là là. Bon, ouais, j'étais pas le pire, hein. Puis c'est toujours emmerdant parce que c'est la période où on veut plaire, tu vois. Donc, bon. Là, ça va nécessiter du dégradé. Donc, regardez, je viens ici faire quand même un passage assez clair. Et après, je viens avec un intermédiaire tapoter ici. Voilà. Toc, 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 toc. Et après, dans le frais, je vais venir avec mon jaune, là. Mon orange, pardon. Tapoter ici. Voilà, pour faire ma petite liaison, tranquillement, voilà. Voilà, hop. Et tout ça va se dégrader tranquillement. Voilà, hop, ni vu ni connu. Je te dégradouille. Voilà, mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Donc ça, c'est bon, c'est fait, ça aussi... Voilà, peut-être pas aussi blanc, là. On va laisser un peu plus orange quand même. Voilà. Bon, là, on s'est fait. On a tapoté nos petits points blancs où il fallait. Là, il y en a un là. Un là, là, là. Sur les épaules. On est pas mal là sur les épaules. Donc, paf. Pof, 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 pof. Pof ici, pof ici, pof ici. Voilà, bon, on revient sur les tous nos petits bubons, quoi.
Excusez-moi, je suis sorti du cadre. Excusez-moi, dites-le moi hein, quand je sors de, comme ça, les copains. Hein. Voilà. On va se faire ici. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Là, ici, évidemment. Hop. Là. Oh là là. Tout cela, là. Faut les oublier, tout cela. Hein. Pof. 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 Voilà. Ici. Hop. Là, les petits. Faut pas les oublier non plus. On peut déborder, mais c'est pas très grave. Là, ici, il y a celui-là. On va le dégrader. Un petit dégradé en frais. On tapote autour. Voilà. On fait du plus clair vers le milieu. Voilà. Un petit point là, si on veut. Un petit point blanc. Voilà. Bon, bah, c'est bon. Voilà. Je crois qu'on a fait. Ouais, on peut mettre des petits points blancs, hein, genre des reflets, hein, tellement c'est tendu le truc que ça manque de péter, quoi, vous voyez. Ça marche aussi, hein. On peut faire un petit peu genre. C'est le petit point blanc pour dire que c'est vraiment Tendax au max et que ça manque de péter. Vous voyez. Après, à ce moment-là, si on fait ça, si on veut ajouter un peu de transparence, on peut se faire en intermédiaire ici un petit arc orangé, là. Voilà, ici, ça fait un peu genre bulle, quoi, vous voyez. Donc on peut sur certains les traiter genre bulle, donc je vais en traiter certains genre bulle. Donc celui-ci, voilà, en intermédiaire, je fais un ombrage, sans aller en bas du volume. Et après, je viens mettre un petit point blanc, ici, voilà. Genre bulle, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, tout imaginer, hein. Tac, tac, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, ce qui serait pas mal, c'est de venir avec ma chair là, un peu très claire que j'avais tout à l'heure. Donc c'était mon pastel violette. Donc je mets mon pastel violette dans ma palette. Pastel violette dans la palette. Je vais voir si c'est suffisamment clair pour éclaircir certaines parties. Merde. Merde où je l'ai mis dans le creux. C'est pas dans le creux que je le veux. C'est. Ouais, ça va être suffisant pour éclaircir certaines parties. Donc ici, ici, ici. Voilà. Et je vais aller éclaircir, vous voyez, par exemple, là. Après, je ferai les cheveux. Hein. Mais notamment éclaircir toute cette partie-là, là, les doudous. Voilà, ici, donc premier doudou, éclairci, sachant qu'il faut que je traite ça là. Alors ça, comment on va le faire? Comment ça, quelle couleur ça pourrait être? C'est un peu marronasse, hein, un peu rouge marronasse. Je vais tenter avec un peu de marronasse. Comment ils l'ont fait, ils n'ont pas fait? Oh, on voit pas trop. Je dirais un peu, ouais, un peu chair marronasse, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui collerait pas mal ça? J'aimerais bien tester avec. Tiens, un Gulliman. Non, Gulliman Flèche, c'est trop couleur peau. Tiens, c'est quoi ça? Berserk Mood Seeker. Pourrait être pas mal ça. Je teste. Je teste les copains. Je teste les copains, un truc. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je fais ça avec du Berserk Blood Seeker. J'aurais pas vous dire autrement. Parce que c'est ce qui est marqué sur le pot. Un peu marronasse, quoi. Hein. Et ce problème, c'est que ça change pas assez la couleur du TT. Non, on va pas faire ça. On va faire autrement. Je vais laisser sécher ça, mais on va les traiter en couleur. On va les faire en couleur vraiment. Il faut de la couleur. Il faut de la couleur. On va faire ça avec du marron rouge qu'on va monter
avec notre, notre violet. Vous allez voir. Bon. Donc là, on est pas mal. Alors, donc là, dans ma palette, avec mon violet, donc mon pastel violet, qui était ma couleur la plus claire, j'attends toujours mon hippocampe. Oui, je sais, bah écoute, j'espère qu'elle va revenir. Hein. Je sais pas où elle est, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Pas possible. Elle va venir te le faire, hein. Elle va arriver. Hein. Hop. Voilà, donc, j'ajoute des petits traits d'éclaircie, vous voyez, aux endroits où, effectivement, j'ai du volume un peu plus clair. Donc voilà, ici, tiens, notamment, c'est intéressant, hein. Voilà, sur toute cette partie centrale, là, j'ai déjà remonté en lumière, des TT, là, donc ici, 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 et ici. Voilà, donc je remonte bien ici, voilà. Voilà, donc c'est bien clair, bien caca moche, bien dégueulasse. Là, ici, on peut le faire aussi. Hein. Hop. Voilà. Alors, maintenant, sur ce doudou-là, pareil, alors, il y a les cheveux qui tombent. Hein. Mais il y a toute cette partie-là, là, ici, qu'il faut aller chercher bien au clair. Et on va pas hésiter à monter bien, bien clair parce que c'est le haut de la figurine. Donc on va pas se priver. Voilà. Le nez là. Pof. Voilà. Ici. Ça. Après on a ces petits traits là qui sont bien dégueulasses. Et on a cette espèce de bouche là qui apparaît là, qui est bien horrible. Donc on va faire, pour qu'elle soit bien lisible cette bouche, je pense qu'il faut vraiment faire apparaître au clair la structure, vous voyez, de cette bouche là, donc tout le pourtour extérieur de la lèvre là. Il faudra aller attraper les petites dents, ça c'est sûr aussi. Donc là déjà, ouais, je peux y aller vraiment au clair. Ça, espèce de langue. Je sais pas quelle couleur on va la faire, mais il faudra trouver une couleur aussi intéressante pour faire cette langue. Peut-être une espèce de violet ou un bleu. Tiens, une langue bleue. Oh, c'est pas mal, c'est un bleu. Oh, je mets du bleu dans ma palette. Tiens, j'ai envie. Un bleu comme ça, là. Un bleu vert. Comme ça, on la verra bien cette langue. Hein ? Non, vous en pensez quoi ? Oula. Qu'est-ce qui est arrivé à lui ? Voilà. Pouf. Voilà, j'ai mis du bleu vert dans la palette. On verra bien ce que ça va donner. Mais et il faut aller creuser aussi ces petites dents là. Faut que je crée du contraste assez fort là. Donc je pense que dans les yeux, ici, c'est comme là, là, sur ces trois têtes là, il faut que j'aille chercher du contraste assez fort. Donc là, effectivement, je vais venir avec mon très très clair choper les fronts là, comme ici. Voilà, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc on est sur quelque chose de très clair. Hein, je vais essayer de faire une mise au point un peu plus... Voilà. Voilà, donc on essaye de garder quand même la texture. Donc on va pas repasser partout, mais garder la microsculpture. Donc vraiment avec le petit pinceau, là, on va aller choper... Que les parties en volume pour garder quand même les creux que nos shades sont allés chercher, quoi. Donc c'est pas facile parce que c'est fin, mais ça vaut le coup parce que ça permet de garder tout ça assez assez contrasté, parce qu'on garde nos petits creux.
Voilà, donc la gueule ici, elle est bien récupérée. Là aussi. Là, c'est bien récupéré. Là aussi. Là aussi. Alors, ce que je peux faire, c'est aller chercher aussi mon violet pour créer des intermédiaires aux endroits où j'en ai besoin. Donc, je vais me faire un petit mélange de violet foncé. C'est mes deux violets que j'ai utilisés, hein, mon violet sombre et mon violet très clair. Je vais faire un petit mélange des deux dans ma palette pour créer un intermédiaire qui va me permettre ici d'avoir des transitions, vous voyez, un peu plus souples. Là. Tout là, tac, vous voyez. Je vais chercher, je vais tapoter avec ce violet là. Voilà. Ça me permet d'avoir une transition un peu plus souple sur le sein. Puisqu'après j'ai mon violet sombre ici qui est bien dans le creux. Là, voilà. Ici. Voilà. Ça me permet de faire des transitions comme ça plus souples. On s'occupera après des doudous. Donc j'attends que ça sèche. Mais voilà, l'idée, c'est bien celle-là. Là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tiens. Je me rends compte que j'ai oublié deux petits bonus là. Eh ben, je vais aller chercher maintenant. Pof, pof. Voilà. Et je vais même les éclaircir maintenant directement avec pof et pof. Voilà. Allez, on continue à travailler ici. Donc là, ça va être très clair. Ici, j'ai une veine qui descend là aussi. Voilà, et puis il apparaît quand je descends ici dans le creux, vous voyez, pour essayer de faire une liaison, je reviens avec un violet et après je viens faire des petits tapotiers avec mon violet sombre. Voilà. Dans le frais en fait, hein, je dégrade tout ça, c'est-à-dire que dans le frais, je tapote ces petites couleurs là, les unes dans les autres, pour essayer de faire des transitions. Vous voyez, donc en fait, j'ai ces trois couleurs là, par petite dose, que je vais placer aux endroits qu'il faut, et dans le frais, je vais les travailler, hein, pour aller plus vite, quoi. Pour éviter de faire, allez, je mets un premier éclaircissement partout, un deuxième éclaircissement partout, un troisième éclaircissement partout, enfin, partout où je monte, et puis je réduis au fur et à mesure mes zones. Bon, sur des zones comme ça, très texturées, moi j'aime bien travailler un peu différemment. C'est-à-dire travailler micro-volume par micro-volume. Alors là, du coup, il faut que je refasse mon petit point rouge que j'ai perdu. Pas grave. Hop, ouais, il revient aussi sec. Parce que j'ai tout dans ma palette. Donc c'est bueno. C'est bon, c'est... Voilà. Pareil, il y a les petits traits ici. Ça, c'est un autre. Voilà. Une petite bouche là. Allez, dans le frais, vous voyez, je viens le noyer un peu avec du violet. Aussi. Alors pareil, hein, celui-là, vous voyez, je peux venir faire un violet un peu intermédiaire. Voilà, j'essaie de bien vous faire. Voilà, donc là, je suis mieux qu'un violet très clair. Magnifique cette tête-là. Vraiment bien fait. Hein. Voilà, donc j'essaie d'attraper tous les petits volumes là qu'il y a. Là, et j'ai après mon violet très clair que je vais réserver ici sur le défilé, et après je peux venir un peu dégrader ça dans le creux. Voilà,
sera tout nouveau. Non, je peux même faire, tiens, j'ai un peu de rouge dans la palette. On va pas lui faire la langue, lui. Hein. La bas bouche un peu sanguinolent, la bouche. Voilà, ça marche. Et puis j'ai du. Qu'est-ce que j'ai dans ma palette là? J'ai du Ice Yellow. C'est parfait ça pour faire les yeux là. Allez, je vais faire les petits yeux yeux là. Ice Yellow. Bien, ça va servir pour ceux-là aussi. Tac. Voilà, et bien ceux-là aussi, tiens, parfait. Oh, qui sont moches! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qui sont horribles, ces personnages. Là, au-dessous du sein, porter un peu d'ombre avec mon violet. Hein. Voilà. Allez, on va faire le deuxième doudou. Donc, deuxième doudou, pareil, il y a tous les cheveux là qui viennent devant. Là. Alors, déjà, il y a ça, un petit trait de chair. Là, il y a un petit trait de chair là aussi. Et après, il y a tous ces cheveux là qui viennent devant. Mais bon, pour l'instant. Je suis obligé de faire comme s'il n'existait pas. Comme si je n'existais pas. Là, il y a ma langounette, pareil. Hein. Pour l'instant, je dois faire comme si elle n'existait pas. Un trait ici, là, pour bien marquer ces petites zones de pli, là. Et puis, ben voilà. On a éclairci notre deuxième doudou. Et là, on va venir éclaircir cette partie-là. Là. Hop, hop. Voilà. Et alors là, oh là 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 là. Mon dieu, mais qu'est-ce donc que cet amas de chair là, beau. Je vais remonter jusque là et après je pense qu'il va falloir pas trop remonter non plus parce qu'après on va tomber dans le dans notre partie un peu rouge là, donc on peut faire des petits effets graphiques comme ça mais faut pas trop aller titiller. Pour la petite veine aussi aller chercher qu'on va pouvoir faire un peu verte, notre petite veine un peu vert très clair, on va pouvoir faire de la richesse dans les tonalités là sur cette figurine là. Il y a de quoi s'amuser. Mais voilà, précis quoi. Petit pinceau quoi. Voilà. Ici, ici. Voilà. Là. Voilà, sur les côtés, on va aller un petit peu moins chercher la lumière sur les côtés là. Voilà. Hop. Et après, il faut que je revienne avec ma couleur beaucoup plus claire. Voilà. Donc là, c'était mon violet un peu éclairci intermédiaire, on va dire. Et après, je reviens avec le violet plus clair que j'ai. Ici. Voilà, donc je suis toujours en train de m'amuser avec mes trois petits violets là. C'est-à-dire mon violet le plus sombre, mon violet un peu intermédiaire. Vous voyez, quand je fais un trait comme ça là qui est très clair, j'hésite pas après dans le frais à venir hop tapoter avec le violet intermédiaire ici, voilà, pour faire la
la transition, quoi. Que ce soit moins violent. Ça se dégrade, quoi. J'ai compris l'idée, quoi. Notre petit bonbon clair. Pouf. Voilà. Et ici, ben, ça va être davantage avec du rouge, hein, finalement. Donc ça va plutôt être avec des couleurs comme celle-ci. Un peu plus cher qu'on va éclaircir. Hop. C'est bien horrible aussi là. Là, c'est bien dégueulasse. Ouais, ça, on va le chercher après ça. Non, on va chercher un peu après parce qu'il faut pas être trop clair sur ces parties-là. Ça reste rouge quand même. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, nos veines très claires, on va pouvoir les faire avec. Je vais prendre du Frog Green et je vais bien éclaircir ben, finalement avec mon violet très clair, hein, hein, mon Frog Green, et je vais rajouter mon pastel yellow dedans, hein, donc ça, et ça va me permettre d'avoir mon vert très très clair, et puis je vais aller taper mes petites veines. Comme ça, hop, voilà, comme ça, ce sera un peu vert. Donc là, pareil, il faut être précis. Pouf, 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 pouf. Voilà, donc c'est léger, c'est vert, et c'est ce qu'il me faut. Hop. Bon, faut aimer ces petits détails, hein. Si ça vous gonfle, c'est sûr que c'est pas l'éclate. Moi, j'aime bien faire ces trucs-là. Puis ça développe la précision au pinceau. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair que ça développe la précision au pinceau. Là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Donc on a fait nos petites veines qui vont bien. On va imaginer une là, tiens, par exemple. Ça c'est cheveux, ça c'est cheveux. On s'en préoccupe pas. Ça ici, il va falloir bien aller chercher de l'ombre ici. Peut-être un peu rouge notre ombre d'ailleurs. Ce sera pas intéressant. Et ça, on va aller traiter ça en second temps. Voilà. Là, notre doudou, c'est fait. Il manque un peu d'éclairci quand même ici. Un peu plus sur le devant. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Ici aussi, là, sur ce mouvement devant. Et ici. Hop, et hop. Voilà. Là, c'est bien clair. Là, c'est bien clair. Après, il faut remonter sur l'épaule, hein, tout ça. Mais là, ça va, là, ça va, là, ça va. Et sur nos parties ici qui sont rouges. Ben, je pense qu'on va prendre. On va déjà d'abord faire les tétés. D'abord faire les tétés. Les tétés, je voulais les faire avec du marron rouge. Voilà, pour faire vraiment une couleur différente et aller les chercher. Alors tiens, je vais lire un peu ce que vous dites, les copains. Et puis après, j'attaque les tétés. Bon, il y a toujours ton hippocampe hein, qui doit arriver. Je suis désolé, hein, Solène. On verra. Si on arrive à le faire venir. Ok, je sors. Bat trip. La tête de droite, on dirait un Muppet Show. C'est pas faux. C'est pas faux. Papa Furax, yes, le soyeux jaune. Les yeux, ouais, c'est jaune très clair. C'est moche, mais ça va être beau. Moi aussi, Stéphane, c'est de la bombe comics. CES comics. Un peu de vert en filtre sur les seins aussi, peut-être, ou bof. A voir après. Les filtres, je préfère faire à la fin. Une fois qu'on a bien avancé sur notre travail.
pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Parce que trop de couleurs après, il y a déjà pas mal d'éléments. Tu risques peut-être de surcharger ta pièce et de la rendre difficilement lisible. C'est ce que j'ai peur en général, moi, à faire trop de filtres colorés différents, d'autant qu'on va avoir la langue un peu bleue. À voir, mais c'est pas écarté. Hein. J'avais commencé la collection des tout premiers, mais quand il est sorti, l'omnibus intégral, je l'ai pris. Ah, Tales from the Crypt, ah oui, j'ai déjà adoré cette série, qu'est-ce qu'elle était géniale. Quand j'étais minot, je regardais ça. J'en reviens pas, Zos va finir une fille en une seule fois, ça commençait à dater. Peut-être, peut-être. Voilà, ça, tes versions doivent être plus vieilles que les miennes, je pense. Ouais, moi, c'est génial. Les contes de la crypte, déjà, j'ai adoré la musique, le générique, je trouvais ouf. Enfin, je crois que ça faisait ça. Hein. Ça se trouve, je suis en train de vous chanter n'importe quoi. Mais il me semble bien que ça faisait ça. Et je trouvais ça, mais alors, pff, génial. Voilà, le marron rouge ici, ben, bonne pioche. Je trouve que c'est pas mal. Pour faire les tétouilles là. Donc on va se faire notre base là et on va laisser sécher. Un peu trop liquide là. Donc je vais enlever. Je vais revenir avec un marron moins liquide. Ouais, ça va le faire. Ça va faire des. Oh, ça va pas être beau, mais ça va le faire. Ça va le faire tellement c'est moche. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, mon violet là qui tire un peu. Donc violet clair un peu. Là on va aller chercher des petites textures. Là, comme ça. Tac, tac. Tac. Le bras. Un peu l'épaule là. Ah bah ça y est, t'as réussi ma pétoune. Ah, tu t'es endormi. Ah ben ouais, j'en étais sûr. Faut que tu fasses ton hippocampe. Fais ton hippocampe, après tu vas faire dodo. Ah, elle s'était endormie. C'est ridicule, quoi. Ouais, je le sentais, j'étais crevée quand j'étais à côté d'elle. Aucune excuse, je veux pas savoir. Donc là... Donc faut que tu fasses un hippocampe. Après tu peux aller te coucher, mais un hippocampe. On s'en fiche, tu fais l'hippocampe que tu veux. Hein. Ouais, les gens, trop bizarre, les gens n'attendent plus que ça à mon cœur. Tu sais que les gens ils sont restés connectés que pour l'hippocampe. Hein. Bah, je vais peut-être les garder connectés jusqu'à la semaine prochaine parce que je suis complètement que. Non, tu fais ton hippocampe. Ouais, non, mon cœur c'est de la traîtrise. Je suis obligée. Alors, Solène elle va j'avais être triste. J'avais vraiment envie de me laisser aller à dormir, il n'y a pas moyen. Solène va être très triste. Les contes de la crypte, tu en as parlé tout à l'heure ? Ouais. Super série. J'adore. Il y a Pierre qui tâche rien en disant « Ne revenez pas, Zos va finir une figue en une seule fois, ça a commencé à dater. Ah, » bah, c'est vrai, qu'on... à une époque, on la faisait en une seule fois. Ouais, mais bon, c'était pas des projets... C'était des projets moins ambitieux aussi, peut-être, hein, quand même. Quand même. Bon, donc tu trahis la confiance de Solène, qui a typé. Pour avoir son hippocampe et tu ne lui as pas fait. Et ça, c'est moche. Je suis pas capable de dessiner là. Il n'y a pas d'heure pour dessiner des hippocampes. Voilà. Là, je vais faire des petits traits de liaison. Ici. En plus, je lui ai dit, quand vous allez, elle commence à parler, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, allez, en vrai, il est très tard là. Parce que toi, et puis vous savez, je ne sais pas moi qui vais m'endormir avant toi. Elle a rigolé, et en fait, je pense qu'à la fin de cette phrase, je me suis endormie. Je te jure, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas collé le reste, quoi. Voilà, notre épaule elle est montée.
Ça a passé 40 piges, je la deviens miracle de passer 21h avec du soleil. Bah, le problème, c'est qu'avec nous aussi, on est beaucoup trop au couche-tard et. Voilà. Bon. Je finirai cette phrase plus tard. Et on se couche trop tard et on dort pas assez. Il dort très mal depuis pas mal de mois, j'ai envie de dire, voire d'années. Et le problème, c'est que après, quand je suis plus en sollicité, je peux pour autant pas regarder un écran, par exemple, comme là, ce soir, le but c'était que je vous rejoigne dès qu'elle est endormie, que je vous rejoigne. Ouais. Ah oui, c'est des buts. Des buts. Du coup, je regarde pas l'écran et en fait, je m'endors. Concrètement, je suis fatigué. Moi aussi, voilà. Stéphane. Demain, boulot. Eh ouais, demain, bouillot. J'ai super mal aux ongles, je te jure. J'espère que ça va passer. Bah, il t'a pas raté, hein, le minou. Hein. Mais c'est pas lui. Ouais, je fais des petits traits de liaison comme ça, là. Hop. Un peu de la, hein, un peu de l'esbrouf, mais ça marche. Voilà. Tac, tac, tac. Ah, il est pas beau. Hein. Ah non, mais il est pas beau. Je travaille dans le frais, hein, je vais vite. Hein. J'essaye d'avancer un peu partout, là, sur tous les registres en même temps. Là, c'est dingue. Donc là, avec du rouge, donc c'est mon flèche tireur raid, dans lequel je vais tout simplement toujours travailler avec mon violet, hein, toujours avec mon pastel violette, mon violet clair, ben, je vais me faire un petit mélange pour aller tout simplement taper des éclaircissements ici, là. Voilà, mais que je peux pas tirer sur le violet, que je dois, dans lequel je dois incorporer du rouge pour être dans la tonalité de ce que j'ai en dessous. Donc vous voyez, donc ça me permet d'aller faire un peu des visages, là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça y est, on a perdu. Elle dit c'est pas d'hippocampe, elle rigole, je sais pas pourquoi. C'est fou. Je te regarde pas. C'est foutu. J'ai l'impression, non, physiquement, de l'intérieur de moi-même, d'être comme ça. C'est le jeu au bout de ma vie, quoi. Ouais, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. J'en veux plus. J'essaie de choper un peu les visages, là, vous voyez, un peu d'éclaircir, là. Il y a des petites mains, il y a des petits... Parce qu'il y a des petits bonhommes, là-dedans, là. Là, je sais pas ce que c'est, ça. Hein. Espèce de... Je sais pas ce que c'est. Je le peins, mais je ne sais pas ce que Mimica. C'est. Ah oui, si tu as dit que je m'étais endormi, voilà, tu avais raison, effectivement. Et je ne sais pas, dans ces moments-là, pourquoi je me réveille. À quel moment mon esprit se dit « Oh, il est 23h oh. Il serait peut-être temps de vous réveiller. » Il est temps de vous réveiller. Oh. Voilà, on a ici. Donc ça, voilà, ça me permet d'aller chercher des petits volumes. Le but, c'est pas de tous les attraper, mais au moins les plus significatifs. Hein. Et après, on va encore éclaircir ça. Donc ce petit truc que j'ai là, cette couleur-là, là, je vais au fur et à mesure rajouter du violette très clair dedans. Voilà, donc là ça permet de gagner un peu de visibilité sur cette partie basse là. Allez, je rajoute du violette dedans. Donc je monte encore. Voilà, encore un peu plus clair. Et on va aller chercher, voilà, les petites bébêtes qu'on a. J'essaie de faire des petits traits de liaison que je pense voir apparaître. Mmh.
bizarre, on dirait des petits bébés là qui sortent son bidou là. C'est beau. C'est beau le moche. Voilà. Hein, on peut donner une visibilité sur cette zone. Et bien on va encore monter. Voilà. Allez, c'est parti. Là, ça va être des petits points un petit peu plus comme ça. Là. Voilà. Donc on monte encore. Hein. Voilà, pas partout. Au fur et à mesure, je rétrécis mes zones. Hein. Je vais peindre moins en moins. Hein. Ouais, quoi? Tout calme. Tu te calmes tout de suite, ok? Donc j'essaie de concentrer mes petits points de lumière sur les volumes hauts, ou alors pour mettre en valeur des petites imperfections là, comme le tour de ces trous là, des choses comme ça, les genoux là. Hop. Wow. J'ai fait mon hippocampe, mais ça s'efface hein, au fur et à mesure ce truc. Comment ça se fait que quand on touche pas le bouton, ça s'efface quand même? T'as fait l'hippocampe? Oui, mais c'est efface. On va montrer l'hippocampe. On va montrer l'hippocampe. Attention, caméra portrait, hippocampe. Non, c'est pas là, c'est pas là. Hop, hippocampe. Oui, c'est pas sûr. Bah, il est beau, dis donc. Bah, avec modèle, hein, j'ai un peu triché. Elle est pas moche. Je sais pas faire toute seule, une fois modèle. Voilà, Solène aura eu son... Allez, tu peux être couché maintenant. Bien. Voilà, Solène, t'as eu ton hippocampe. Je sais pas si t'étais encore là. Voilà. J'espère que Solène est encore là parce que elle a eu son hippocampe et ça c'est beau. J'avoue que par contre dessiner un tardigrade, j'ai fait de mal quand même. Un tardigrade? Mais oui, elle m'a demandé. Elle m'a dit j'aurais pu demander un tardigrade, tu sais. Ah il a fait une pièce. Qui a fait la il a fait la pièce, le tardigrade, c'est vrai. On a un copain, enfin un copain. Ouais, c'est un copain, c'est le plus important. Quoi. Qui fait une pièce de théâtre qui s'appelle. Enfin, qui fait. Oui, il l'a fait toujours. Hein. Il est acteur Et une pièce de théâtre qui s'appelle Le Tardigrade. Et metteur en scène. Metteur en scène, acteur. Ah, on connaît du bon. Hein. Là, j'ai perdu mon petit effet sans doute. Hop. Hop. Donc, dans ma palette, j'ai toujours un petit peu des trucs. Que j'ai utilisé, hein, l'avantage de la palette humide, ça me permet d'aller rechercher dans ma palette ce qui me manque, et je ne suis pas en caméra palette, vous voyez pas ce que je fais. Bon voilà, allez. C'est pas dur à faire, t'as... T'arrêtes de rôter. Ouais. Mais... Voilà. Alors, allez, je vous sens encore les merci. Je vais vous laisser, je finirai sur le replay, dit Stéphane. Ok, Stéphane, bah merci. Non, Stéphane, passer. Tu restes là. Il me semblait que tout à l'heure, je t'avais dit que fallait pas hésiter à reparler de ce que tu disais là pour la contraste. T'as lu ça, Gabriel? Ah non, s'il avait une question, remarque. Stéphane, avant d'aller te coucher, Stéphane, vite ta question, Stéphane. C'était pas une question, il disait que. Putain, alors j'essaie de faire appel à mon cerveau endormi là. Qu'il osait pas attaquer la contraste. Voilà, j'ai du mal. Ok, Stéphane. Non, il faut qu'il repose sa question, parce qu'entre temps, j'ai dormi. Je prends les infos pour mes zombicides. Bonne nuit à tous, c'est fini. C'est bien, c'était un plaisir. Bah, nous aussi. Voilà, et petit point. Tac. Mais pas tarder non plus. Bonne nuit avec Zouz. Zoser, le destructeur, le voyageur, le sumérien, dit Pierre. Zoser, le destructeur.
Bravo Mini TV. Oups, dit Cléoline. Pour le dessin. C'est ça quoi. Super, belle bête Madame Tipeee. Ah, merci Foubot. Et à moitié endormi en plus, c'est beau. Ouais, franchement, j'ai l'impression de voir que d'un œil là, tellement je suis épuisée. En vrai, c'est vraiment bien joué, dit Papa Furax. Après le finish, t'as fait une bouse. Je vous guide sur le finish Hippocamp. Le finish Hippocamp. Stéphane, je sais pas pourquoi le contraste, je bloque. Voilà, je bloque dessus, comme si j'avais l'impression de tricher. Alors que non, et tout le monde en parle, faudrait que je teste quand même. Bah, on s'en fout, il n'y a pas de triche. Tu sais, la contraste, ça fait pas tout. Hein. Tu vas te rendre compte que. C'est pas parce que t'as de la contraste que ça va faire des miracles, mais c'est un outil comme un autre. Hein. C'est pas triché du tout. Hein. Vous avez vu, j'ai mis des petits points quasi blancs pour faire un peu briller cette partie-là. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Ces petits points blancs là. Voilà, ça permet de faire du contraste assez fort ici. Donc l'idée c'est d'aller. Et tu vois pourquoi il dit ça, Stéphane, ou pas? Parce que la contraste a été vendue comme étant, au départ en tout cas, comme étant un outil où tu passes un coup et puis ça te fait ta figurine quoi. Pour un niveau jeu, effectivement, ça peut le faire. Après, ça reste quand même assez sommaire hein, comme résultat si tu te contentes de ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout le voir comme un truc, un peu une espèce d'arnaque hein, du tout. Hein, parce que si tu regardes bien, ça fait pas tout hein, la contraste. Hein. Tu vois, on a passé de la contraste et tu vois bien qu'on continue à bosser sur la figurine pour améliorer son rendu. Alors après, effectivement, ça te permet d'avoir un premier résultat, et c'était ça le but aussi, hein. Assez rapide. Hein. C'est ça l'avantage quand même. C'est-à-dire qu'assez rapidement, pour celui qui veut jouer et pas se prendre la tête, il peut avoir un premier rendu qui est assez satisfaisant. C'était ça le but, quoi, de la contraste. Et qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Il marche très bien, hein. Ça fonctionne très bien dans cette idée-là. Hein. Mais après, c'est aussi un outil que tu peux utiliser, comme base, tu vois, comme je le fais là. Et après, venir retravailler derrière. Il dit, mais il vaut mieux pas d'abord peindre normalement, sans contraste. Oui, bah. En apprenant. Oui, bah, en fait, la contraste ne permettra pas d'apprendre le travail de peinture avec les peintures classiques, quoi. Parce que c'est pas la même densité, c'est pas la même manière de poser tes pigments, tout ça. Donc c'est vrai que si tu fais que de la contraste, effectivement, tu n'apprendras pas le reste. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, il faut pas s'en priver en se disant c'est ou la contraste ou le reste. Non, c'est un outil qui va rejoindre ta boîte à outils comme les autres, hein, qui est intéressante et qui peut être utilisée en base pour celui qui a pas envie de s'emmerder et qui veut un résultat rapide. Mais qui peut aussi être utilisé comme un intermédiaire pour aller vers autre chose. Papa Furax, il dit ça, d'ailleurs, il dit c'est un outil comme un autre. Ouais, exactement, il a raison. Exactement ça, comme ça qu'il faut le voir. Hein. Bon, Stéphane, il dit super intéressant ton opinion, merci. Voilà, s'il ajoute la contraste, c'est comme si en illustration, tu faisais un lavis coloré de base avant de poser tes couleurs. Ouais, c'est ça, il a raison, Stéphane, c'est un peu ça l'idée, hein. Ça te fait un espèce de premier, une première passe dans laquelle tu vas avoir déjà une sorte de première valeur de lumière, quoi. En gros, hein, ça va t'apporter ton premier ombrage et ta première et ton premier éclaircissement, quoi. Voilà. Voilà les petits points blancs. Vous avez vu, ça permet de faire briller un peu le bas là. Donc c'est pour ça qu'on s'en sert. Enfin, petits points blancs, c'est des petits points moi de violet très clair. Vous voyez. Voilà, allez, je vais revenir faire mes petits tétons là. Hop. Papa Furax, il dit soit tu l'utilises comme peinture tout en un qui a des limites évidentes, ou bien tu l'utilises comme un outil comme un autre. Donc, non, t'inquiète, c'est pas de la triche. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, vous voyez là, je reviens. Donc, j'ai éclairci mon marron rouge là. Bah, tout simplement, toujours pareil, hein, j'utilise la même couleur d'éclaircie à chaque fois, vous avez vu, c'est mon violet très clair, quoi. Voilà. Donc, avec cette couleur d'éclaircissement, ça me permet, comme je garde tout le temps la même, d'être sûr d'avoir une unicité sur ma figurine. Donc, voilà, donc là, ça me permet de faire monter un peu les tétons. Tac, tac. Voilà. Pierre dit, le contraste, plus un bon layering, et on a des résultats rapidement sympas. Exactement.
Bah oui, non. Ça dépend ce que tu recherches, quoi. Mais quel que soit ce que tu recherches, la contraste peut vraiment rejoindre ta palette. Même pour les peintres pros qui veulent faire des pièces d'expo, je peux t'assurer qu'ils servent de la contrate, hein, pour certains. Contrate. De la contrate, hein. Parce que ça permet... c'est la contrate. Ça permet déjà d'avoir des... Oh, t'es morte, toi. Ça te permet d'avoir déjà de très bons... d'avoir des couleurs très flashy, de raviver des couleurs. Tu vois, tu peux faire ne serait-ce que des glacis de contraste, c'est hyper intéressant. Ça permet de donner du boost à tes couleurs. Tu fais un vert et derrière tu viens passer un glacis de contraste vert, ton vert tu le fais exploser, quoi. Donc c'est des fois utilisé vraiment comme un outil en plus du reste et pas uniquement dans son usage de base, quoi. Voilà. Alors Stéphane, il dit tu m'as convaincu. Allez, vraiment désolé, mais je dois y aller. Comment ça? Dodo Time, merci à tous pour l'accueil. Allez, Dodo Time. Je reviendrai vous embêter. Avec plaisir, Stéphane. Avec plaisir, bonne Stéphane. Nuit. Alors regarde ce qu'on va faire. Bon, là, j'ai pas fait le dos, hein, voilà, bon, je finirai de mon côté, mais ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on va... Mais ils ont cru que cette fois, oui, tu finirais. Mais non, mais c'est parce que je passe trop de temps, j'ai envie de faire un truc un peu trop poussé, peut-être, je pense, mais c'est pas grave, on est là pour... La langue bleue, là, c'était important. Donc, je vais mettre une petite langue bleue, là, ici, comme ça. Oh, c'est pas beau. Tu l'avais pas déjà peinte, cette figurine? Non, j'ai jamais peint ça, moi. Alors, un truc qui avait trois têtes, comme ça? Ah bon? Non. Tu crois que j'ai déjà peint ça? Ça me parle pour moi. Bah c'était peut-être pas la même. Ah non, remarque, c'est impossible que je l'ai peint puisque j'ai sorti de sa boîte. Et que je l'ai quand même exemplaire. Donc je n'ai pas peint ça. Voilà, la langue bleue c'est pas mal parce que ça permet de ramener l'attention sur la bouche. Et puis ça crée un détail qui n'est pas de la même couleur. Et c'est intéressant parce que c'est le seul détail qui est comme ça. C'est-à-dire c'est le seul élément que je ne retrouve pas en plusieurs exemplaires sur la figurine. Cette langue bleue. Donc c'est pas inintéressant d'aller la chercher. Voilà. De faire un... Il a voulu, celui qui a créé la sculpture, faire un focus dessus. Pas forcément, je sais pas s'il a voulu faire ça, mais moi en tout cas, je le considère comme ça. C'est central, c'est le seul truc qui est pas triplé. Ah ouais, tu le considères comme ça, toi? Ouais. D'accord, bah c'est bien. C'est bien, mon cœur. Tu commences à avoir un œil critique, hein. Tu commences à... Hein, ouais. Moi, j'ai peur, après avoir goûté à la facilité de la contraste, de plus pouvoir revenir à la classique, dit Cléoline. Bah non, parce que ça te permettra pas de faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'après, si tu veux faire d'autres trucs, tu vas te rendre compte que ta contraste, elle te permet des choses, mais elle te permet pas tout. Donc à un moment donné, tu vas vouloir, je pense, nécessairement... peut-être un peu... Enfin, je pense, hein. Après, peut-être je me trompe, hein. Allez, le bout de la langue, on va le faire un peu... Il a mangé un schtroumpf, dit Bretty. Un peu rouge, tiens, pourquoi pas, là. Francis dit « Salut, c'est de toute beauté, ça ». Oh, ben oui, merci Francis, c'est gentil. Je pense que Dame Tipeee confond avec une des figues de Solomon Kane, dit Lighthouse. Ah, peut-être, je sais pas. Je saurais pas dire. Oui, j'ai dû faire une figue. Comme ça avec les trois j'ai dû faire une figue horrible à un moment donné hein, qui ressemblait à ça. Ça m'étonnerait pas. Hein. C'est de toute beauté ça. Et il ajoute enfin, je me comprends. Parce qu'il est franchement moche. Ouais. Ouais, je sais pas avec quoi je. J'ai l'impression comme un déjà vu, je dirais pas identique, mais un truc du genre. Ah ouais, mais c'est possible, hein, un truc qui ressemble à ça. Voilà. Donc là, comme ça, un peu dégueulasse. Hein. Oh. Alors, j'ai fait la vaisselle. Ouais, j'essaye de faire un peu varier cette couleur que je trouvais peut-être un peu trop flashouille. Donc vous voyez, j'ai rajouté un peu de rouge dans mon bleu. Je viens un peu rajouter du bleu là-dedans. On va faire ça, je vais mettre un petit peu de... Voilà. Et je suis tellement... On a envie que j'avais plus à réfléchir à ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai... Je sais plus. J'ai pris le fer, j'ai pris le ciel. J'ai pris le petit bout. Mais je vais faire revoir le mot ce soir. Oui, j'ai fait la littérature. Oui, ça me parle. Ah. Oui, tu l'as fait. Non, on n'a pas la luxure de Darkest Ritual. Et alors, donc, ça serait ça? Ah, c'est ça, tu crois?
Peut-être, hein, je me souviens plus. Hein. C'est pas faux. Voilà, je suis passé sur un bleu vert un peu, j'ai changé un peu. Au fur et à mesure, vous voyez, on teste des trucs. Je trouve que ça marche mieux en bleu vert. C'est quoi ça, j'ai pas du tout l'image. Dark Ritual, c'est sûr, on en a peint. Après, est-ce qu'on a peint le, la luxure? Il y a la luxure dans Darkest Ritual, je me souviens même plus. Bah, je sais pas, quand je tape ça, j'ai pas de photo ni à ça. Hein. C'est pas de quoi vous parlez. C'est pas de quoi vous parlez, monsieur. Laissez-moi tranquille. Voilà, ça fait une couleur un peu plus malade, un peu moins franche. Je préfère, moi. Oui, il y en a plusieurs qui dissolvent toutes les fibres de Dark Ritual. Voilà. Ce sera luxueux, c'est pas manger qu'elle a fait avec le schtroumpf sur ses bonnes paroles. Je vous salue tous, c'est vrai. Et le dodo. Bonne nuit, Pierre. Bon dodo, Pierre. Voilà, ça fait pas trop... Voilà, tu dis à Pierre, ça fait pas trop fois que tu nous dis bonne nuit. Très bonne nuit, j'y vais aussi. Très bon moment, comme toujours. Bonne nuit à toutes et à tous. Eh bien, merci. Mais tu vois, ils vont tous au coucher. Hein, oui, ben, on va y aller, on va y aller. Alors, ce que je vais faire, seul truc, avant d'aller au coucher, je vais faire petit glacis, là, dans la bouche, de... et base cheveux, et après dodo, parce que ça va beaucoup nous aider d'avoir la base cheveux, vous allez voir. Donc, je vais utiliser le Carrosbourg Grimson. C'est un shade qui est rouge, un peu sombre. Et je pense... Netflix, il dit peut-être Mortus de Dark Ritual que tu avais peint, ou l'espèce de créateur ophidienne. Ah oui, oui, c'est vrai. Sûrement la figurine dans le même style avec la brouette dans Dark Ritual. Oui, c'est vrai. Il y a un truc... Ben, dans Dark Ritual, il y a des trucs un peu dégueulasses, chelous, hein, qui ressemblent à ça, ça c'est sûr. Solène, le titre, c'était peinture sur figurine, peindre l'horreur organique indicible. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas un truc qui... Ça me parle. C'est un titre qui me parle, c'est sûr. Oui, oui, je vois. Oh, ouais, je vois. J'ai pas forcément pas un truc qui ressemblait à ça. C'est pas étonnant. Ah, donc je déraille pas. Non, 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 tu déraille pas, mon cœur. Jamais dit le contraire. Voilà, ça c'est fait. Tac. Si je regarde, je vais me couper. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, j'ai permis. J'ai fait une liaison un peu plus franche ici. Hein. Ici. Voilà. Ça, j'ai quoi là que je vais aller chercher un peu sombre, mon violet là, que je vais mélanger avec du, avec un peu du noir. Il faut toujours du noir dans la palette. J'ai pas mis noir. C'est toujours important d'avoir un peu de noir dans sa palette. Il est pas là, mon noir. Il est là. Bouge-toi. Je sens bien qu'il le fait. Bon, ça va. Un petit peu noir mélangé avec mon violet. Avec mon violet sombre, voilà, ça va me permettre d'aller détourer cette langue nette là. J'aime bien ce shade, dit Papa Fox. Voilà. Oui, oui, j'ai compris que tu étais là, toi, Wallace. Pourquoi toi, t'as dit voilà. Pour venir, Wallace. Ça y est, j'ai fait ressortir un peu ma langue. Là, on est pas mal. Et les cheveux. Ah oui, tu veux dire, tu veux pas qu'on aille se coucher. Mais bon, il faut dormir. Exactement, va te faire un café d'MTP. On n'a pas éclairci les mains. Moi, je vais vous quitter. Il va continuer tout seul. Allez, on va faire un peu les cheveux. Les cheveux, je vais faire un mélange de ça et de vert. Je me rattrape de pas avoir été là la semaine dernière, dit Wallace. Allez, j'ai mélangé du noir avec du vert pour faire mes cheveux. Ça m'évitera de les faire uniquement noirs. D'accord ? Je préfère toujours éviter d'être dans le noir pur. C'est vrai que le côté luxure, faut le chercher. Mais si, mais c'est ça, c'est le péché de la luxure dans Seven Seas, hein. Moi, je viens d'arriver, faut recommencer, dit Francis. Francis vient d'arriver, bonsoir Francis. Oui, ça fait pas longtemps. Hein. Bienvenue Francisco. Voilà, j'ai un vert très foncé, cassé au noir, c'est très bien. Et avec ça, je vais venir faire mes cheveux. Et ça va me permettre de bien
bien détourer ma figurine et de voir bien où j'en suis dans mon travail. Donc, hop. Voilà. Surtout qu'il y a une belle masse de cheveux là. Donc là, ça, ça vient ici, ça c'est du cheveu, ça c'est du cheveu. Là, il y a du cheveu là aussi, hein, qui descend comme ça. Voilà. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis sorti du cadre. Ça c'est du cheveu. Ça aussi. Bon, quand on aura fait les cheveux. Pour recommencer, disait Francis, c'est pas préféré que s'il avait. On ressoucouche. On refait tout. C'est ça. Voilà. Allez, au moins sur le devant, après je ferai le derrière de mon côté, mais vous puissiez voir au moins sur le devant. Quand on détourne bien, comment ça offre beaucoup de lisibilité à la figurine. Moi, je vous conseille souvent de le faire, ça. C'est-à-dire à un moment donné, quand vous avez avancé dans votre travail, de reprendre vos linings pour bien séparer les différents éléments. Pardon. Pardon. Voilà, donc j'essaie de faire un truc assez fin. Pas fastoche, mais. D'ailleurs, si on a un pinceau assez fin, on peut même s'amuser. Francis, il y a d'autres figures de la luxure dans le jeu, pas besoin de refaire tout, juste la suite. C'est vrai qu'il y en a plusieurs dans ce jeu. Ça, c'est le boss, pas le boss. Puis après, il y en a d'autres qui sont des monstres un peu plus petits. Franchement, c'est un super jeu, puis les figurines sont magnifiques. Hein, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas, ça se trouve, ils vont prendre, ils vont dire, hey, tu m'as dit que c'était bien, en fait, c'est nul. Bon, sincèrement, le jeu, moi, je le trouve très très bien. Allez, je vais refaire l'autre côté, là, l'autre méchounette, là. Voilà. Pour qu'on y voit plus clair. Parce que vous allez voir, en fait, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur votre travail. Où vous en êtes, est-ce que vous avez bien avancé, est-ce que les contrastes sont bons. Vous voyez comme ça change beaucoup, je trouve, d'encadrer déjà le visage. Donc, je vais encadrer ce dernier visage là. Oh punaise, j'ai le casque, Tatou m'a pété l'oreille. Pardon. J'ai acheté le jeu juste pour peindre les figurines, dit Baba. Ah ouais? T'as vu, elles sont bien, hein, franchement. Le jeu est excellent, dit Francis, comme souvent chez Eric Lang. Ouais, c'est vrai que c'est Eric Lang qui a fait le jeu et. Et le mec, il a plutôt la réputation de faire des bons jeux. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, d'ailleurs? C'est pas lui qui a fait. Le truc avec les. Les figurines Jap, là? Oh, je sais plus comment il s'appelle, merde. J'ai des problèmes avec mon nom. Voilà. Voilà, donc c'est pas mal là. Voilà, on a une bonne idée de la figurine. Ça commence à ressembler plus à quelque chose. Hein. Pardon, encore au toto, mais c'est bon. Hein. Ben, j'arrête pas. Là. Là, je reviens ici. Choper. De mon crâne. J'étais passé à côté du KS à l'époque. Voilà. Quoi KS? Le Kickstarter.
J'ai pas d'extension, donc pas cette figurine, malheureusement. Ouais, après, ils sont... Ouais, c'est vrai que les autres pêchés, ils étaient en extension, c'est vrai. Voilà. Là, on a le front bien clair, là aussi. Tu me suis pas endormi sur un brosseur. Si tu t'es pas endormi sur un brosseur, tout à fait. Ah, j'en peux plus, franchement, je vais pas aller au bout aussi. Non, non, mais de toute façon, on va pas tarder à arrêter. Là, c'était vraiment détourer les cheveux. Bien montré. Là, je vais faire les petites dents avec mon jaune. Avec mon Ice Yellow, je vais aller taper des petites dents. Là, vous allez voir. Ça aussi, ça va beaucoup changer. Là, je suis là, ma figurine. D'ailleurs, on n'arrive pas trop à identifier ce que c'est, ça. J'ai l'impression que c'est plusieurs dents. Moi, je vais le considérer comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit ça, hein, les copains. Voilà, donc là j'essaie d'avoir une pointe chargée avec une petite goutte de jaune, pas trop grosse. Pas trop de flotte non plus parce que je veux pas que ça se balade, je veux vraiment que ça marque le petit point de volume dedans sculpté que je vois apparaître. Donc il y a une histoire de bonne charge du pinceau, excusez-moi, je suis sorti du cadre. Là, ça va commencer à être un peu dégueulasse pour de bon. On commence à avoir une allure bien horrible, je trouve. C'est beau, hein? C'est beau comme c'est moche. Moi, j'aime bien. Là, il y a des petites ratounes aussi. Là. Une. Voilà. J'ai peut-être fait des trop grosses ratounes pour lui. On va aller isoler ça. Voilà, les yeux, on peut faire un petit peu de bleu dedans, là. Un bleu foncé, tiens, un bleu du noir, un peu de bleu gris là. Je vais chercher pour ombrer le autour de l'œil, c'est pas mal ça. Voilà. Et puis une espèce de bleu coloré là. Voilà. Voilà. Ici aussi, ça va faire le tour de mon œil. Après, je vais le reprendre mon œil, hein, mais ça me permet d'aller chercher le tour de l'œil. Et ça m'intéresse pas mal. Voilà, il faut que j'aille chercher le tour de l'œil. Alors, si j'ai débordé à certains endroits, là, comme ici, là, oui, on va reprendre ça. Hop, on va le titrer. Hein. Certains petits points de lumière là, que je vais essayer d'aller récupérer. Voilà. Voilà. Ici, ça a dû sécher, donc je vais pouvoir refaire bien gros. Parce que cet œil, il est tellement gros qu'on peut aller s'amuser à chercher la pupille. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Pour faire un petit regard intéressant.
Voilà. Allez, le petit regard intéressant. C'est maintenant qu'il faut aller chercher. Il est là. Il est presque réussi. Mais pas tout à fait, n'est-ce pas, là, il va réussir comme on veut. Il va laisser sécher un peu. Il va venir le retravailler pour qu'il soit bien comme il faut. En attendant, je vais aller sculpter un petit peu les petits trucs là, au pinceau. Il arrête du nez. Là. Ah, j'ai regardé la série Fallout. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment passé un bon moment. Parce qu'il y en a qui l'ont vu. La série Fallout. Super beau ta fixose, merci beaucoup. Allez, on va essayer de rattraper les petites merdouilles. Parce que l'œil déborde, hein, évidemment. Ça aurait été beau de le réussir le premier coup, mais non. Donc là, maintenant, je vais faire le fou, vous allez voir. J'ai chopé l'arrondi. Je prends une pointe de blanc. Je vais tenter le coup du siècle, mes amis. Je vais tenter le petit reflet dans l'œil. Et oui, je suis un fou. Je vais tenter le reflet dans l'œil, les gars. Si j'arrive à le faire, ça va être superbe. Et je pense que je vais arriver à le faire. C'est bon, on est bien, hein. Après, je vous montrerai en zoomant. Je crois que je l'ai chopé. Ouais, un peu trop gros. Un peu trop gros, c'est dommage. Il était bien, il était là. Voilà, ça y est, il est là. Oh, on a réussi. Classe. Moi j'aime bien. Bon bah du coup faut faire les yeux dans les autres. C'est bon, j'ai compris les gars. C'est bon, j'ai compris les gars. J'adore ce côté post-apocalyptique années 50. Ah oui, dans la série, ouais, c'est génial. Cette série, elle est top. J'ai adoré. Alors, bon, je sais pas si vous connaissiez le jeu vidéo, mais si vous connaissez le jeu vidéo, c'est encore plus du régal. Je le trouve. Ouais, non, super série. À un moment donné, j'avais peur que ça parte trop, un peu trop what the fuck. Et finalement, c'est sur le deuxième ou le troisième, je sais plus, je me suis dit, oulala, c'est en train de partir un peu trop what the fuck, là. Et en fait, non. En fait, non, ça se tient bien. Ça redevient un peu plus... Ça part pas trop what the fuck. Ça reste what the fuck dans le dosage qu'il faut, quoi. Et je vais aller essayer de choper aussi la petite pupille sur celui-là. Mais pour ça, il faut que j'agrandisse déjà, à mon avis, un peu l'œil, tout simplement. Donc j'essaye de gagner un peu de l'espace dans mon œil. Je vais faire le plus gros que je peux, sans déborder trop non plus sur la sculpture. Mais... que ce sera plus facile d'aller taper la petite pupille. Ça ajoute considérablement d'expression quand même. Donc, si on peut y arriver, on va essayer d'y arriver. Ouais,
réussi sur celui-là. Non, ça s'est pas endormi. Tais tout de suite les mauvaises langues. Qu'on se le dise. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? Je m'en ai donné un peu. Voilà. J'ai réussi à faire des yeux. Non, des yeux. Tu lui ferais pas un petit peu de sang dans la bouche, demande Wallace. Du caca sur le cucu aussi, dit Papa Furet. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que j'ai pas vraiment de place. On peut faire un petit rouge un peu. Ouais, un peu de flash tireur raid, pourquoi pas. Entre les dents, mais. J'adore ce côté post-apocalyptique années 50. Ouais, ça c'était pour une série là dont on parlait. Ouais, Fallout. Ouais, deux épisodes, j'adorais. Oui, tu as six yeux à faire maintenant. J'y souviens. Ça m'a donné envie de finir le jeu d'ailleurs. La série, je sais pas si c'est là. Gwenolan, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Gwenolan. Bonne nuit. Je sais pas si nous suivions pendant qu'il peignait, parce que j'ai pas vu passer beaucoup de. Oh bah tu sais, t'en as qui regardent juste, et puis voilà. Voilà, j'ai mis un peu de rouge dans la bouche, léger, mais pas trop, parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Go for it painting, il fait un petit coucou. Bah merci, go for it painting. Magnifique peinture sur une figurine bien dégueulasse, dit Gwenolan. Merci. C'est cool. Je crois que c'est un compliment, mon cœur. Voilà. Bon, ben voilà. On a bien fait notre truc, là. Bien moche, bien horrible. Bien cracra-boudin. Bien cracra-boudin, tout à fait. Serait pas mal, c'est d'essayer de faire monter là un petit point de lumière sur le crâne là, vraiment au blanc là, je trouve que ça intéresse pas de monter jusqu'au blanc là. Voilà, donc sur le haut de mes crânes, vous voyez, je mets un petit point blanc là, un peu sur le côté. Voilà, et j'essaye de le dégrader un petit peu, voilà, pour qu'on y aille subtilement à ce. Voilà, donc je passe vraiment un petit point blanc à la racine du cheveu là, et puis j'essaye d'y. Qu'on y aille en dégradé, un peu subtil, quoi. Voilà. Donc, c'est fait ici. Hop, voilà, la racine du cheveu, c'est fait. J'ai essayé de tapoter un peu là, pour qu'on y aille toujours pareil, subtilement. Voilà, et je vais faire la même chose ici. Subtilement ce petit point blanc, mais c'est bien, ça attire vraiment sur le haut de la figurine. Moi j'aime bien, je vais vraiment monter bien en lumière. Les cheveux mériteraient, voilà, un petit éclaircissement. Voilà. On va faire quelques traits d'éclaircissement histoire de dire. Mais... Hop. On est là, je peins aussi, dit Ben. C'est bien Ben, c'est bien, vous êtes courageux. Ben. Ouais, voilà, c'est bien, t'as pas trop lu aujourd'hui Ben. Tu pourrais faire des éclaircies francs dans les cheveux pour faire cheveux gras, dit Solène. Oui, tu as complètement raison Solène. Tu as toujours raison. Complètement raison. Oui, oui, juste à peine le sang, c'est bien là, voilà, c'est pour la bouche. Ah, merci, voilà, c'est ça. Mais je sais pas si c'est du cheveu ou pas, j'ai du mal à dire. Bon, on va dire que c'est du cheveu parce que
pas trop. Voilà. Allez, on va essayer de faire un petit effet brillant sur le devant des cheveux pour donner cet effet gras. Puisque Solène insiste pour qu'on y aille. Je peux cocher varicelle pour ton fil. Ah ouais, elle l'a eu. Hein. Donc là, je fais les petits traits. Vous voyez, j'essaie de respecter un peu la sculpture, mais en me laissant, voilà, surtout guidé par la, je dirais, le mouvement général de la chevelure, je fais des petits traits de gris clair qui vont préparer effectivement mes éclaircissements un peu grassouilles. Le but étant après effectivement d'avoir des petits éclaircissements un peu grassouilles. Là. Je te dis qu'il faut que tu te mouches. C'est agaçant. Oh. Bah si. De toute façon, j'ai bientôt fini. Bah, je m'en fiche. Yeah.
pardon. Voilà. Bravo. Ah, bravo. C'est calmé beaucoup, mais elle tousse encore un peu, Romane, malheureusement. Oh, pardon. Oh, pardon. Voilà. Bon, bah écoutez, les copains, voilà, on a un truc qui est un peu dégueulasse, qui ressemble à quelque chose de pas mal dégueulasse. Après, je finirai de mon côté, hein, mais vous avez compris l'idée, quoi. Vous avez compris l'idée, les copains. Voilà, on peut revenir ici après si on veut avec un truc avec un shade un peu plus sombre. Donc c'est là où maintenant je peux mettre mon blue de machin là, mon blue de mon shade Berserker blue shade là, voilà, sur les tétons. Voilà. En déchargeant un peu. J'arrête pas de monter, c'est dingue. Digestion pas terrible là. Voilà. Donc là c'est pas mal, c'est pas mal. Là ici, un peu dans les yeux, je pense qu'il faut aller chercher de l'ombre. Ici, 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 ici. Voilà. Et on peut faire des petits points blancs si on veut, mais très légers. Pour donner de la brillance à ces zones-là. Là. Oh, on l'a déjà fait, remarque. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop picot. Là, sur les veines, on l'a déjà fait. On peut encore éclaircir si on veut un peu. Aux interstices, notamment, ça marche pas mal. Ça peut être intéressant pour aller faire le tour de quelques petits bubons comme ça. Hop. Mais il faut qu'il soit vraiment subtilement vert, donc un petit peu mon violet très clair avec une petite teinte de vert très légère. Voilà, pour aller faire ça là. Hop, ça c'est pas mal. Bon, après c'est sans fin, moi j'aime bien bosser ce genre de petites figurines parce que c'est de la micro-texture, on peut faire plein de trucs pour s'amuser. Mais après c'est long quoi. C'est long mais c'est amusant. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh mon dieu. Bon, et bien voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu, ce tuto là, où on a fait quelque chose. Bon, alors, on a fait que le devant, hein, pour faire l'arrière. L'arrière, c'est flat. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, sur le devant, si on bosse bien, hein, ça peut être pas mal. Et pas hésiter,
même à monter hein, jusqu'au blanc hein, sur certaines parties hein. Par exemple là sur mes TT, je pense que c'est pas inintéressant d'aller chercher les petits points blancs là. On va profiter, allez, je continue encore un tout petit peu, mais là ici, là pareil. Voilà un petit blanc un peu humide, mais. Bien monter au blanc là ici là, pareil là, ça peut être intéressant. Tac, ici ça ça clair, là, ça peut être sympa. Là, ici, là, t'es bien clair ici. Là. Pour bien faire popper tous ces volumes là, et finir carrément avec des petits points blancs là, comme ça. Ici. Sur le haut, quoi, des volumes. Ça a l'air de rien ces petits points blancs, mais c'est ce qui fait remonter la lumière jusqu'en haut, vous voyez. Permet de faire boum. S'arrête, il s'arrête plus, tu vois. Pas bien ça. Tu dis que tu t'arrêtes quoi. Là, il est violet très clair là. On pourrait chercher des petits trucs comme ça. Là. Hop. Gros détails quoi. Bien entouré l'œil là. Oh. Ah, voilà, bien entouré ici aussi. Bon, enfin voilà. On va s'arrêter là, ma pétoune. On va s'arrêter là, ma pétoune, je te le dis. Voilà. Chaîné. Je regarde très très souvent, mais je peins en même temps, donc j'écris très rarement. Dit Chaîné. Eh oui, bah, je me doutais, je me doutais. Je savais pas qu'elle avait des pellicules. J'ai primé ma figue, je suis à l'étape de tapotage de la contraste, dit Solène. Elle fait la même? Je suis tentée par un dry brush. Eh, c'est tentant parce qu'il y a pas mal de micro-volume, hein. C'est pas idiot, hein. Bah ben, je sais pas, oui, elle doit faire la même alors du coup. Ah ouais, est-ce que tu fais la même souligne? Voilà, ça oui, un peu de mort sur la figue la rendre encore plus réaliste. Dit Wallace. Solène, une petite base noire pour faire poser ton travail. Ouais, bien sûr, base noire. Ça c'est sûr, je ferai une petite base noire. Ça rend super bien, dit Wallace. On pourrait insister sur les ongles avec un spot of light, dit Solène. Tout à fait. On le fera. Oui, d'un petit pied cramé, c'est le soir pour traîner. Là, on fera des petits trucs comme ça sur les ongles. Vous voyez, un petit point blanc et pouf, petit trait comme ça là pour faire pouper l'ongle. Donc ça, on le fera aussi là. Là. On mais est bon, là, t'inquiète. Je ferai de mon côté, je ferai de mon côté parce que je vous ai montré l'essentiel là, je pense. Hein, voilà. Tiens, si, il y a ça.
si je voulais bien terminer le haut. Hein? J'ai tout posé en vitesse quand j'ai entendu. Je sais pas ce que j'ai fichu. Alors. Voilà. Ici, c'est bien clair normalement. Donc là, ça doit être bien clair aussi. Et là aussi. Voilà. Là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Là aussi, c'est blanc. Voilà. 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 Bon ben voilà les copains. Hein, on a fait un truc un peu. D'accord. Est-ce qu'on fait des petits points blancs là aussi? Vous voulez qu'on fasse encore plus horrible, regardez. On peut faire ça. 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 Et ça. Pour le coup, ça fait des tétés qui suintent un petit peu. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Et on va le faire pareil de l'autre côté. C'est très blanc là, comme ça. Ici. Un point blanc là. Un point blanc là. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh, c'est dégoûtant. Bon, allez, on arrête. C'est trop dégoûtant. Trop dégoûtant. J'ai le all in in the... In... In the others, il y a un problème. Elle a le all in the others, ouais. All in the others, ouais. Bah oui, il y a un 2 de trop, c'est ce que je dis. Eh ben, sur l'étagère top. De la honte depuis 7 ans, au moins. La fameuse. Ah ouais, non, mais ils sont top. Je vais la finir, celle-là, parce que oh, là, je m'ai bien fait kiffer. Donc, il me reste bah, voilà, la même chose à faire là, quoi, de dos. Hein, mais je vais la faire de mon côté, j'irai un peu plus vite, puisque j'aurai pas la caméra, donc je tournerai ça dans tous les sens. Je vous dis... Merci déjà beaucoup pour tous vos dons, parce qu'il y en a eu quand même. Hein. Merci. Et, hein, merci. Hein, on a eu Cléwin avant le live, on a eu Pierre pendant le live, on a eu Stéphane Savona pendant le live, on a eu Solène a toujours raison pendant le live. Ben, merci beaucoup, hein, franchement. C'est un vrai petit plus, un vrai. Enfin, pas qu'un petit plus, c'est un vrai soutien, quoi. Rien à dire. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que ça vous a plu. Hein, voilà, c'est une belle figurine. On n'est pas très loin de ce qu'on avait en dessin, hein, finalement. Hein, on est plutôt pas très loin. On est même peut-être plus en couleur encore un peu que ce qu'il y avait sur le dessin. Voilà, mais bon, c'est un dessin, c'est normal. Hein, donc c'est différent en volume. On a tendance un peu à exagérer. Hein. Ces contrastes-là, c'est complètement... voulu, mais c'est sympa, voilà, cette petite langue un peu bleu-vert, là, c'est pas mal, un peu maladif, je trouve, c'est ajoute quelque chose, parce que sinon, elle disparaît un peu sur le dessin, vous voyez, on la voit pas trop, je trouve que c'est plus intéressant de la voir un peu, là, comme ça, donc, pas mécontent de ce que ça rend, et puis, ben, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, les copains, les copines. Faites un beau dodo, reposez-vous bien, bossez bien demain et profitez bien de votre super week-end. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous. Attention, 3, 2, 1, coupez. Ça y est. Oh, on voit mon dragon derrière. Ah oui, hein, on dirait qu'il va s'envoler. Non, mais il s'envolera pas, c'est un morceau de plastique. Mais non, il s'envole, il est tellement bien peint qu'il va prendre vie, mon cœur, comme... Comme dans Pinocchio. Bon, on va faire dodo. Hein. Je pense que t'es fatigué. Donc. Ouais, je suis tout fatigué. Oh, gnagnagna. Oh, on va faire dodo, ça. Il était beau, ton hippocampe. Hein. Attention, j'enlève la main. Attention, hop, et voilà. Elle est tombée la tête sur le bureau.